Santé. Santé. Bienvenue. Santé Minou. Hein, santé le chat. Eva. Bon. Mettez les likes, on a déjà le chat. Hein. En fait, on la voit pas trop, on voit surtout ta main. Attends, je vais t'amener. Tiens. Ah, vous la voyez là maintenant. Furtif, ah, ça se mérite. Hein. Voilà, ça se mérite le chat. Hein. N'est-ce pas? J'ai l'impression que ça rame un peu. Ah oui, ça, ça rame, hein. Un petit peu. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, est-ce que j'ai d'autres trucs qui sont lancés qui pourraient faire. Est-ce que tout le monde va bien sinon? De l'autre côté du chat. Attends, je vais juste essayer de faire d'avoir un truc. Oula! Qu'est-ce qu'il me fait lui? D'accord. C'est pas un programme en fond qui tourne. Ah bah attends, bah j'ai laissé Firefox allumé. On peut s'en débarrasser de celui. Ah bah lui, il a bouffé. Truc, ouais, ouais. Pas vu, normalement je l'ai éteint avant. Ouais, c'est clairement lui qui. Il est gourmand le saligo. Ça devient sale quand tu le dis. Ah bon? Voilà, ça rame plus, c'était ça. Bon. Alors, est-ce que ça rame encore chez vous? J'installe hop, le petit retour sur téléphone pour vous voir, pour vous lire. Ah, il n'y a plus rien. Plus rien. Bon. Il casse quoi, Laurent, là? Ah. Ah! Attends, qu'est-ce qu'il se passe? Devine! J'ai ma bite! Et le pouvoir de la suggestion, on en fait quoi? Oh là là, monde de monstres. Oh là là. Alors, salut, donc salut Franck Moisson qui est le premier arrivé ce soir. Oh, bravo, oh, bravo. Salut Franck. Ah bah voilà, c'est moi qui ai le chat. Ah. Oh bah oui. Bon. Tu veux pas te montrer un peu à la caméra? Non, t'es timide toi. Bonsoir Loïc, bonsoir Vincent, bonsoir. Salut Thomas, salut José, bonsoir Adrien, bonsoir Dogarou, bonsoir Eliwan, bonsoir Benjamin, bonsoir Nico, bonsoir Slug, bonsoir tout le monde, Laurent, bonsoir Felkias Le Breton et bonsoir Adrien Reynaud. Non, eh Adrien, j'ai déjà dit. Attends. Oui, j'ai déjà dit avant. Bon. Bah, t'aurais eu deux bonsoirs, toi. Voilà. Oh punaise. Tu te rends compte le privilégié que t'es quand même? D'approcher du micro, parce que là on peut faire du SMR ronron. Du chat SMR. Ah, bon, elle est pas trop d'accord. Ça sent la cata. Non, bon, ça en va. Ça en va. On a perdu le chat. On a perdu le chat. Ah, on a perdu notre chat. Ah, attendez, là je crois que les gens quittent le chat. Non, notre chat. Je te donne une chip si tu viens dans le live. Bien. Elle est résistante, mais non, bon. On verra plus tard pour un autre chat. La vie, tentation. Mais les chats ne sont plus ce qu'ils sont, c'est pas possible. Les chats, c'est plus ce que c'était. Ah non, mais là, non, je suis déçu. Là. Bon, c'est ça va aussi allergisant, mais ça va très bien, ouais. Et toi? Bah ouais, ouais, ouais. Une catastrophe, oh, bravo. Une catastrophe, comment ça? Catastrophe. Genre, c'est un chat musical. D'accord. Ok, non, il fallait que je le lise, en fait. Ça prend plus de sens, tout d'un coup. Hey, salut Aurélien. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, dis donc. Non, je disais, on s'est vu il y a pas longtemps. On bossait. On se dépose. Oh bah. Salut Aurélien. Et si la neige avance? Voilà. Ça recule pas en tout cas. Ah, espérons. C'est un peu galère si ça recule. Tu t'es raté quelque part si ça recule. Du coca. On est quand même en train de faire des trucs bizarres. Hein. Ouais. Elles sont à quoi ces chips là? Au vinaigre. Je sais pas si tu es fan, moi j'adore. Mmh. Vous voulez goûter? Bonne chance. Hein. Bon. Ce sont des Tyrell's Sea Salt and Cider Vinegar. À peu près ça, oui. Ouais. Absolument pas, j'ai encore toutes mes affaires de peinture rangées depuis le live de la semaine dernière. Bravo! Bon courage! Ah, pour rappel, on a jusqu'au 7 hein, pour finir notre première bande. Bon, je sais pas si je suis en retard, mais je suis pas en avance.
Bon, c'est un peu plus modeste hein, en termes de. Ça en impose moins hein, que le. Donc toi, c'est quoi? C'est des. Les hurleurs albinos dont j'avais parlé. Il y a juste les griffes que je dois finir. Ils sont cool tes socles. Tu trouves? Ça va, je m'attends. Je suis un peu déçu. Je m'attendais un peu mieux. Regarde. Trop beau comme ça. Ah oui, comme ça, oui. Faudrait que je mette une lettre sous chaque socle. C'est ça. Ah punaise, paye ton budget. Et tout cela, faut les refaire, parce qu'il faut qu'ils soient transparents. Ah punaise. Mince alors. Je pense que je vais me contenter de mes. De ces socles modestes. Je bois du vinaigre de cidre sous la douche, c'est super bon. Je suis dans les temps et non pas dans les temps. Bon, là aussi, c'est une blague qu'il faut lire. D'accord. Avis au baigneur. Et une blague vaseuse, une. Bien. Il commence bien ce live. Il commence bien. N'est-ce pas? Attends, je vois qu'on tape pas mal dans le. On sature le micro? Ouais, on sature un petit peu. Je vais baisser. Blablabla, bla, bla, bla. Ouais, ça tape nous sommes, même, des, hein. Nous sommes des brutes. Nous sommes des brutes! Ouais. Désolé pour vos oreilles, je teste le micro. Voilà, ça a l'air pas mal. Faut pas faire de la ASMR tout le temps. Un autre chat dans le live? Tu viens? Ben ouais, viens. Come here. Come here. Allez. Ouf. Qu'il est gros celui-là. Ah oui, c'est pas. Ouais, c'est pas le même gabarit. Alors, c'est un proxy de quoi ce chat? Un proxy de tigre. Ah, d'accord. On va essayer de commencer le sujet. Hein. Enfin, je sais pas. Non. On joue avec des chats, c'est vachement plus drôle. Non, mais il a pas envie de rester. C'est eux qui veulent pas jouer. Salut Croquette. Salut. La blague sur les temps, elle l'a fait marrer. Ah, ben j'apprécie. Coucou Marianne. Re-coucou Marianne. Comment ça? Hein? Quoi? Re. Bonsoir Grégory. Bon ben on va commencer hein. Donc le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir nous a été réclamé par la communauté. C'est vrai. N'est-il pas? Le sujet de ce soir, c'est les proxys. Proxys, conversions, voilà. Donc on va peut-être commencer par définir un peu ce que c'est. Donc, un proxy. Enfin, proxy. Moi, je dis un proxy. Un proxy, ça va être utilisé une... En fait, ça va être remplacé une figurine d'un jeu par... autre chose. C'est ça. Donc dans le pire des cas, ça va être genre un profil en carton sur un socle. Voilà. C'est la version extrême du proxy, mais c'est à... c'est la version extrême. On est dans la mine. Faut savoir qu'on est dans une époque où pas mal de jeux proposent les règles gratuites en téléchargement, et beaucoup vont aussi proposer justement les profils des figurines avec la taille de socle pour que tu puisses tester le jeu avant de l'acheter. Il y a de plus en plus de maisons d'édition qui font ça, donc on a effectivement des profils en carton à coller sur des socles. Oui, d'accord, ça se fait. Ça se fait de plus en plus. Ils l'ont fait pour Guild Ball, ils le font pour Moonstone. D'accord. Qu'est-ce que j'ai vu qu'ils faisaient? Alors, dans une moindre mesure. Non, c'est pas pour la même utilisation, je vais pas parler d'Infinity. Mais il y a de plus en plus de jeux qui proposent ça. C'est assez. Le côté de essayer le jeu avant de l'acheter, quoi. C'est un bon moyen de chercher à fidéliser le client, voilà. Dans un sens. C'est vrai que c'est appréciable. C'est appréciable. Enfin, dans la notion de proxy, c'est surtout c'est qu'il y a une notion de figurine officielle. Mm-hmm. Une figurine qui représente telle chose, c'est utiliser en fait une autre figurine. Donc, peu importe. Un hurleur de Zinge. Voilà, figurine officielle Games Workshop. Voilà. Et donc, un proxy serait d'utiliser soit une figurine d'une autre marque. C'est ça. Soit un autre objet. Autre figurine de la même marque, mais. Mm. Converti ou réalisé de façon différente pour représenter en termes de jeu. Alors, question subséquente, est-ce qu'une conversion est un proxy? Ça dépend. Quand on parle de conversion, c'est on peut convertir une figurine existante juste pour lui donner du caractère.
Mm-hmm. Mais elle peut ne pas représenter quelque chose de différent. C'est simplement changer une figurine existante, mais simplement pour lui donner, je sais pas, une allure, un look ou une pose qui correspond mieux à ce qu'on... C'est pas forcément dans un but de représenter une figurine différente. Mm. Dans le cas de Proxy, c'est utiliser une autre figurine, comme dit, d'une marque différente ou non. Certains auront une définition différente de ça, de la notion Proxy. Pour certains, la notion de Proxy, c'est de prendre forcément une autre marque. Mais pour moi, je vois ça dans un sens plus large. Par exemple, prendre, tu vois, pour des Space Marines, voilà, je me fais des Space Marines, mais je trouve que les Space Marines sont pas assez médiévaux par rapport à l'image que je m'en fais. Oui. Est-ce que si je fais des conversions de Space Marines basées sur des Stormcast, donc, tu vois, des gros mecs en armure, et juste je remplace tous les équipements pour que les équipements correspondent à ce qu'il y a sur la liste d'armée, et peut-être même je remplace les casques pour faire vraiment Space Marine. Mm-hmm. Est-ce que je suis dans du proxy ou la... Si la figurine, ou pas, pour moi, si la figurine de base n'est plus un Space Marine, mm-hmm. on entre dans le domaine du proxy. C'est du proxy. D'accord. À mes yeux, on rentre dans le domaine du proxy. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat, en fait, quelle est la limite à ne pas franchir un peu entre conversion et proxy? Ça veut dire que là, avec ta définition, c'est-à-dire que moi, toutes mes armées sont des proxys. C'est, oui, c'est par exemple mon Mechanicus. Ah là, oui. Le moindre Skitari est basé sur une conversion, soit sur des figurines Necromunda, soit sur des figurines d'autres armées. Alors... Il n'y a pas de corps de Skitari à la base dans mes Skitari, tu vois. Il y a des pièces, il y a les têtes, il y a les bras, mais c'est tout. Aucun corps. Il n'y a pas les corps, il n'y a pas les. On peut toucher au domaine du proxy, mais c'est, pour moi, il n'y a pas de, la limite peut être floue entre la conversion et le proxy aussi, parfois dans certains cas. Il n'y a pas de règle, mais à mes yeux, à partir du moment où on prend une figurine différente pour représenter autre chose, c'est ton nom dans le domaine du proxy. Et je vais éviter de me répéter. Ok, donc on va voir ce soir plusieurs proxys qui nous ont été proposés par vous, par la communauté. Donc il y avait un album sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs où vous pouviez déposer vos proxys et expliquer pourquoi avoir choisi cette figurine plutôt qu'une autre, pourquoi remplacer les profils existants et tout. Conversion, c'est la même figue modifiée ou alors une création car pas de figurine dans la gamme. C'est aussi oui. Par exemple. Donc c'est-à-dire qu'en fait je ne fais pas de conversion. Je fais jamais de conversion, je fais toujours que du proxy. Et pareil, à quel moment figurine originale ou pas? Parce que par exemple, pour les Skitari, j'utilise toujours les têtes de Skitari. La conversion donc, est-ce que c'est des conversions? La conversion est quand même un terme très vaste. Pour faire du bon proxy, il faut faire de la conversion. Pas forcément. En tout cas, c'est fréquent. Mais pour moi, déjà, échanger des pièces, on touche dans le domaine de la conversion déjà. C'est du bidouillage. C'est bon, la conversion, c'est ça. Mais je veux dire, tu vas pouvoir récupérer une figurine d'une autre marque, d'un autre jeu, pour placer dans le jeu dans lequel tu veux l'utiliser, et qui va parfaitement correspondre en fait à ce qu'il représente. Alors, un peu plus loin, comme ça, dans cet esprit, là, je viens de voir en fait en disant ça des vieilles figurines Games Workshop. On a aussi presque un petit peu un cas d'école que pour l'instant on ne retrouve que chez Games Workshop, mais parce que Games Workshop est le seul jeu qui a une histoire aussi dense, 40 ans d'expérience, 40 ans de figurines, ouais. 40 ans de développement de l'histoire du jeu, etc. Que se passe-t-il quand on a une figurine officielle Games Workshop qui représentait un profil à une époque, qui aujourd'hui ne convient plus parce que les standards et les équipements de base de ces figurines ont évolué dans le jeu. Est-ce que du coup c'est un proxy? Ça dépend de l'usage qu'on en fait. S'il a des règles qui pourraient correspondre aux figurines, je dirais, on est plus loin du proxy, mais si c'est pour représenter un équivalent. Après, on parle de proxy, mais je sais qu'il y a un autre terme qu'on utilise, c'est le Countas aussi. Compte-com. Oui, le Countas c'est du proxy. Hein. Voilà, c'est la même définition, mais c'est vrai que... C'est même la même définition. Mais je pense le Countas a plus de liberté quelque part que le proxy, parce que le Countas a le côté aussi, je veux essayer un truc. C'est pas des hommes bêtes que j'ai, c'est des scavens, c'est juste pour essayer la liste avant que j'achète les figurines. C'est vrai qu'il y a la notion de plus entre potes. Voilà. Tous mes hommes bêtes comptent comme des scavens. Alors, si plus de 58% de la figurine est d'origine, c'est une conversion, sinon c'est un proxy. Alors, pourquoi 58? C'est pour être 51. 58, comme ça, des chiffres au hasard. Pour proxy, c'est d'aller piocher dans des gammes alternatives, une conversion reste une conversion. J'aime bien ce que le pastis vient faire là-dedans. Hein.
Pour moi, une figouze est proxy à partir du moment où il n'y a aucun élément officiel de la dite figurine. Donc, par exemple, tu prends... Chacun sa définition. Hein ? Chacun sa définition. Chacun sa définition, c'est oui. C'est-à-dire que si... Moi, je pose ces questions, je vais me faire l'avocat du diable, je vais essayer de démonter toutes les définitions possibles qu'on va nous donner. Mais tout simplement parce que moi-même, je ne suis pas... je n'ai pas de définition à donner, en fait. Je trouve ça très, très difficile à définir. Mais du coup, d'un côté, on dit s'il y a plus de 58% de la figurine en dessous. Alors, on a vu le cas, hein, dire il y a 58% de la figurine d'origine, mais si c'est... Tu sais, tu peux dire il y a la figurine d'origine, elle est entière à l'intérieur, mais elle est recouverte de milliput, et par-dessus, j'ai sculpté et tout machin. Oui, voilà. Est-ce que... Voilà. C'est compliqué tout c'est ça. Pourquoi si 58% loin, mais... Voilà, moi je pense que il y a plus de la moitié. Ce serait plutôt ça, ce serait 51%. un chiffre précis ça affirme le biais des d'autorité. Cette miniature est Twingo, c'est un Land Raider, c'est juste pour test. donc pour moi, une figouze est proxy à partir du moment où il n'y a aucun élément officiel de la dite figurine. Ça veut dire que. C'est vrai que ça pourrait, on pourrait le. Ça veut dire que si j'achète une figurine Infinity et que je lui colle un bolter, c'est pas un proxy. Mm. Parce que je lui colle un bolter, c'est une pièce originale de la figurine qu'elle est censée remplacer. Voilà. C'est pour ça que donner des. Qu'est-ce qu'un bon proxy du coup ? Ah, ça ! Alors pour moi, un qu'est-ce bon proxy. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche ? Attention, tout est subjectif. Un bon proxy, c'est pas une histoire de beau ou moche. Un bon proxy, c'est quelque chose qui ne va pas mettre le doute à ton adversaire au cours de la partie. Là, nous sommes d'accord. Le plus important à mes yeux. Après, tu peux présenter ton armée au début, mais il faut, je pense, surtout si tu réfléchis en termes d'armée, il faut que les proxys utilisés aient une cohérence entre eux, afin que l'adversaire ne risque pas de se mélanger. C'est-à-dire que tu vas avoir... exemple concret, mon armée Argentora 7, sur le Mechanicus, j'ai entièrement construit mes Castellans, je ne suis pas parti des figurines de Castellans existantes. Les Castellans peuvent avoir deux options d'équipement, soit quelque chose qui fait beaucoup de tirs, soit quelque chose qui fait des touches automatiques en mode lance-flamme. Ouais. Et soit tu peux mettre trois fois le beaucoup de tirs, soit tu mets le tout touche automatique et des points de combat. Mes gars sont équipés de trois Gatling, alors c'est des Gatling tôt, mais ils sont équipés chacun de trois Gatling, ce qui fait qu'à aucun moment mes adversaires ne sont posés la question de l'équipement. Est-ce qu'ils ont des armes différentes ? De mes armes. De mes trucs, ils avaient tous le même équipement et l'équipement était cohérent avec ce que ça représentait, c'est-à-dire que ça représentait une arme qui tire en rafale, qui tire beaucoup de munitions à la minute, donc voilà, donc la Gatling était toute choisie, il n'y avait rien d'officiel sur ces figurines, j'ai même pas le kit officiel de Castellan, donc rien d'officiel, tout comme le Data Smith qui les accompagne. Donc moi, tous mes persos sont sur base de fantômes, donc ils flottent au-dessus du sol et tout. Le Data Smith, en fait, je suis allé regarder dans sa liste d'équipement, il a un gantelet énergétique et un pistolet machin truc, c'est le seul de toute l'armée qui a accès à ce pistolet. Du coup, j'ai fait une figurine qui a un gantelet dans une main et qui a un pistolet chelou qui ressemble à aucune autre arme qu'on retrouve dans l'armée pour le faire, et j'ai mis un casque qui ressemblait un peu au style de la figurine originale. À aucun moment un adversaire s'est demandé quelle était cette figurine. Tu vois, on a très bien compris c'est que c'était Zata Smith. Voilà. Ça va être parti en sketch, ça, la différence entre le bon proxy et le mauvais proxy. Alors, tu vois, le mauvais proxy, c'est un mec, il prend une figurine pour remplacer une autre, mais c'est un mauvais proxy. Ouais. Alors que le bon proxy, c'est un mec, il prend une figurine pour remplacer une autre, mais du coup, c'est un bon proxy. C'est un bon proxy, exactement. Le bon proxy, c'est un proxy, il est beau, et le mauvais proxy, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, que disent-ils davantage dans le chat que l'original. Discussion intéressante. Pour moi, le proxy est une figurine que l'on trouve plus cool et qui correspond davantage à l'original sans forcément de conversion. Ah oui, la conversion n'est pas du tout obligatoire pour le proxy. Ah, hein, ce n'est pas obligatoire. C'est voilà. Ça va souvent de pair, mais c'est pas obligatoire. C'est où dans la balance, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien quand tu prends un proxy. Justement, qu'il n'y ait aucun doute sur la figurine. Alors, quand c'est du proxy pour de la figurine Games Workshop, je vais souvent essayer de récupérer quand même une arme officielle en termes d'équipement pour que vraiment être WYSIWYG, c'est-à-dire que pas forcément avoir la représentation physique
de la figurine officielle, partir sur du proxy, mais avoir quand même ses équipements phares, quoi. Du coup, la définition de proxy de Grégory tient compte aussi des jeux non propriétaires. Qu'est-ce qu'un proxy à 9e âge, par exemple ? Alors, un proxy... effectivement, ma définition tient lieu de notion de gamme propriétaire. C'est-à-dire qu'une gamme qui te dit que tu peux jouer avec n'importe quelle figurine, bah, t'as pas besoin de proxy. Tu vas pas avoir de proxy dans le jeu parce que de toute façon, il n'y a pas de figurine officielle à cette gamme. Alors pour le 9e âge, c'est de moins en moins vrai parce qu'il commence à y avoir des figurines officielles 9e âge. Mais leur gamme. Voilà, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de sens comme dire est-ce que ça c'est une figurine officielle de saga ? Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y en a pas. C'est, tu joues ce que tu veux. Donc c'est pas, tu peux, si tu n'as pas de figurine officielle, tu n'as forcément pas de proxy. Pour moi, ça, c'est aussi simple que ça. Il faut séparer les termes proxy et conversion, quitte à les additionner s'ils correspondent aux deux. Genre des proxys convertis, par exemple, pour une fig AOS mise avec 40K, dans 40K avec un gun. Je suis d'accord sur cette définition, enfin sur ce point de vue en tout cas. Pour partir dans l'extrême niveau WYSIWYG, tu peux faire un socle avec juste les bits des équipements du profil. tu peux essayer, on verra ce que ça donne. Mais on va insister sur essayer. Hein. Ouais. alors par exemple, quand je parle de cohésion dans les proxys, ça fait un moment que je suis en train de réfléchir à faire une armée de Gretchen pour Warhammer 40 000. Ah, mais sur quel... Du coup, comment faire pour jouer les profils qui sont à base des orques avec des Gretchen ? Décider. Alors, pour faire les unités de Gretchen, bah c'est facile, c'est les Gretchen. Faire les unités de Boys, ça c'est plus compliqué déjà. Comment faire un Boys ? L'idée m'est venue quand les Boys sont passés sur socle 32. Et du coup, je me suis dit, un socle 32, c'est parfait pour mettre deux Gretchen sur le socle. Voilà, donc garder l'idée, soit les mecs ils se tiennent comme ça pour s'empiler, voilà, et avoir les qui coupent, les flingues, voilà, les armes correspondantes. Donc il y a plein de choses comme ça en fait, et je réfléchis au fur et à mesure à comment je pourrais les faire sur le long terme. J'avoue que c'est surtout les véhicules qui m'éclatent, les boîtes qui tuent, les trucs comme ça, là, c'est parfait dans l'esprit Gretchen. Donc voilà. Si tu joues par exemple Death, tu peux faire un socle d'un truc qui sort de terre. Moi j'ai plein de zombies qui sortent juste de terre, donc un bras par exemple. Ouais, bah ça les joueurs morts-vivants l'ont beaucoup fait effectivement. Bah, notamment, moi je me souviens de la V8 où tu pouvais invoquer mais tellement de zombies et de squelettes sur la table que il y avait des armées, tu n'avais pas un squelette ou un zombie dans la liste. Dans la liste, ouais. Quand tu déployais ton armée, il n'y avait pas de squelette, pas de zombies. Mmh. Tu avais des gardes des cryptes, des unités un peu élites et tout, mais tu n'avais pas les unités de base comme ça. Ouais. Et en fait, t'en invoquais, j'avais un pote, il avait 100 zombies et 100 squelettes à côté de la table, prêt pour les invocations, quoi. Tu vois, et tu dis quand tu dois avoir 100 figurines comme ça, c'est des trucs que tu invoques au fur et à mesure de la partie. Tu sais pas à l'avance combien t'en auras. Tu peux en avoir plein, tu peux en avoir peu. Enfin voilà. Si l'adversaire les détruit pas assez vite, t'en remets à chaque tour. Au bout d'un moment, tu fais juste des bouts de figurines, tu t'en fous quoi. Oui. Voilà. Et c'est vrai que sur les. J'avais poussé ce délire une fois. C'était il y a très longtemps, avec une armée de taux que j'avais participé au. C'est un événement organisé par les Squeaks du Nord, c'était à l'époque où ils faisaient des événements Apocalypse. Mmh. À l'époque où j'étais encore beaucoup investi dans 40 000, donc j'avais une énorme armée tôt. Et j'avais beaucoup de croûtes. Et j'avais fait une sorte de micro-diorama sur lequel j'avais des croûtes qui étaient un peu dans une zone forestière. Et certains, en fait, ils se cachaient dans les étangs. Donc t'avais des têtes qui sortaient, t'avais des, des bras, t'avais juste un peu la crête qui sortait tel le requin dans de la mer. L'autre qui tenait un vorace tyrannique dans ses mains, juste... avec juste la main qui sort. Moi, j'avais bien rigolé avec ces petites conversions. Alors salut tous ceux qui nous rejoignent. Salut. Ouais, Alain Wagbar, les méga grottes, c'est une des premières idées de l'armée. Les méga grottes. Bah des méga nobs, méga armure, mais avec des grottes quoi. Ah oui, avec des grosses. Ça ouais, c'est clair. Et pour le coup, j'aimerais bien me retrouver le Golborak confrontation, qui était absolument génial, qui était un mecha fait en tonneau.
Et où t'avais un gobelin qui était dans la tête pour pilotage, t'avais un gobelin dans le bras droit, un gobelin dans le bras gauche. C'était excellent, cette figurine, elle était géniale. Salut Valentin. Il nous demande est-ce qu'il existe des proxys de cheveux pour les chauves. Je fais le malin parce que ça me pend au nez. Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, je sais pas, demande à Playmobil, peut-être. Les proxys de cheveux pour Playmobil, ça doit marcher. Il faut faire pour Playmobil je sais pas, dans des équivalents Playmobil, tu sais, mais en gros gabarit. J'en sais rien. On peut essayer. Hein. Ils ont bien fait des Lego XXL hein, pour les Playmobil. Ouais. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut essayer de définir ça encore avant qu'on rentre vraiment dans le détail. Je pense que donner une définition trop, ça fait pas avancer je public donner une définition. Peut-être... trop... c'est plutôt une idée générale le proxy. Ouais. Peut-être vous dans le chat, pour quelles raisons vous feriez appel à du proxy? Pour quelles raisons utiliser du proxy? Pour quelles raisons ne pas utiliser la figurine officielle pour jouer un certain profil? Je veux bien avoir vos avis. Je vais déjà donner un avis. Ouais. Quand t'es de la fille, te plaît pas, tout simplement. Voilà. Déjà, ça c'est une des principales raisons. Si ce n'est la principale raison. Effectivement. Parce que je vais pas m'arrêter sur les... Parce qu'il y a la notion de budget aussi, quand on veut faire un proxy. Parfois, acheter la figurine officielle. Parce que je suis pauvre, nous répond Thomas. Faut pas avoir honte. Puis pauvre ou pas, il y a aussi la notion, je ne veux pas mettre autant d'argent dans une figurine, ça aussi. Surtout qu'on a de l'offre quand même maintenant, enfin je veux dire, on n'est pas... C'est un point de vue qui se défend aussi. Bon, on va peut-être commencer à regarder un petit peu ce qui nous a été proposé. Eh oui, n'est-ce pas? Hop là. What the... Alors, hop. Alors, j'étais un peu vite, j'ai pas noté les noms, donc il va falloir que je prenne l'album Facebook en même temps pour comparer. C'est vrai qu'ils avaient... C'était une bonne idée d'ailleurs, oui, de demander aussi, en plus des photos, la conversion sur pourquoi ça a été fait comme ça. C'est vrai que c'est pas mal quand on veut regarder, j'avais regardé un petit peu sur tous les... Ça donne des idées aussi sur les pourquoi tel choix, pourquoi... Ça peut être une bonne source d'inspiration. C'est ça. Alors ça en plus c'est vraiment cool parce que on m'a préparé les montages photos pour comparer le proxy et ce qui est censé représenter. Et donc là, attends, je suis en train d'essayer de récupérer... Donc là, c'est Benjamin qui nous envoie ça et qui nous dit donc ce sont des bits principalement d'ogres de Warhammer, gnoblards et pièces de bannière, des crânes de la boîte Citadel Skull, de la ficelle, un masque sculpté par ses soins en green stuff. Et le but était donc de représenter le Scaremonger Gloomspite Gitz, qui est un mercenaire à Warcry. Donc plutôt que d'acheter la boîte entière où tu vas avoir 5 sorciers, voilà. Là il s'est converti en fait, son sorcier, et je trouve que c'est là qu'on est dans quelque part la conversion proxy, oui. Où du coup le but est de recréer l'essence de la figurine. Donc là on a le visuel, un gobelin qui porte un crâne de squig sur lequel danse le chaman qui a un masque. Et là, du coup, on a un gnoblard qui porte un crâne de grosse bestiole sur lequel danse un gnoblard avec un masque. Ouais. Bon, l'idée, elle est là. C'est vrai que on a une inventivité qui est présente. Voilà, comment réussir à retranscrire le concept, l'idée qui est derrière ça. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout simplement avec la multiplication des kits différents pour des figurines très similaires chez Games Workshop. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand tu vas avoir plusieurs fois cette figurine dans ton armée. Oui, il y a un manque de... Voilà. Une uniformisation, il n'y a plus de caractère. Donc voir des conversions comme ça, moi, ça me plaît énormément.
Pour moi, c'est un élément du hobby qui est quand même... C'est ce que j'ai fait de toute façon avec mon... Paradoxalement, ça fait un bail que je n'ai plus fait de conversion. Moi. À une époque, j'en faisais pas mal. Et maintenant, c'est presque pas. Et pourquoi donc ? J'ai pas l'inspiration. Ah, ça arrive. Quand je trouve qu'une figurine est déjà très belle en l'état, je n'ai pas forcément envie de la toucher. Après, bon... Moi, j'avoue qu'il m'arrive d'acheter des figurines... Mon général, je vais le convertir un minimum, mais... Bon, il m'arrive d'acheter des figurines pour me dire ça, pour faire des conversions. Tu vois, ce kit regorge d'outils pour des futures conversions. Oui. Zone tight. À tes souhaits. Alors, ça parle beaucoup. Alors, on nous dit... C'est bien, c'est actif. Parce qu'elle est moche. Manque de thunes pour acheter des nouvelles quand t'as des kilos de plastique dans les cartons. Des fois, les proxys s'imposent pour des raisons économiques. Pour arrêter d'être pris pour des pigeons par certaines marques qui te vendent un Gugus à 30€ et qui changent les règles tous les 4 matins. Parce que bordel, Forge World m'avait promis que Lionel Johnson serait le prochain Primark en 2013. Proxy, car la figure officielle est moche, je prends un Blood Slaughter of Corn de Forge World à la place d'un Ferro Cerberus. Mm. Pour avoir une armée personnalisée, quand la figurine n'existe pas aussi, quand on veut des primaristes, mais en orque. Bah, une idée comme ça, un truc qui m'avait déjà effleuré l'esprit, en voyant la boîte On Relance, enfin Shadow Spear, les Greater Possessed, enfin les possédés XXL, les figues sont magnifiques. J'aurais imaginé par exemple un truc bête, enfin c'est une idée comme ça, c'est resté dans un coin de la tête, mais imagine l'armée avec un cône avec les règles Custodes, mais avec que des figurines de ce genre là ah ouais. C'est un, on est dans l'exemple du proxy, enfin du contas de proxy pour représenter mais ça donne des possibilités, des idées, c'est, mais souvent on a des idées et puis on se dit ouais mais non, j'aurais pas le temps. Et durant la période de battle, c'était par économie. Maintenant, c'est surtout pour la sculpture, avoir des figues plus jolies. J'avais pas vu pour qu'on pouvait partager les photos. Ah bah, ça fait 2 semaines que c'est annoncé. Hein. Hop, on continue, nouvelle photo. Qui disait ça ? C'était Xav Moreau. Oh. Donc là, on a un exemple de Thomas. Qui a pris cette figurine de Malifaux en 3 exemplaires pour représenter les salamandres hommes-lézards, parce qu'il n'aime pas les figurines des salamandres. Et je trouve qu'une fois encore, bah, on est, c'est une conversion qui reste dans l'esprit. C'est-à-dire que la salamandre, ça va être un lézard qui va avoir un crachat, c'est une, arme de, c'est une pièce d'artillerie. Là, je serais pile ailleurs sur la dénomination, on est dans le proxy pur. Je ne parlais même pas de conversion, là, parce que la figurine, c'est la figurine de Malifaux en l'état. Il ouais, n'y a rien à ajouter, là, à tes souhaits. Et effectivement, ça représente ce que ça représente. On imagine bien un lézard qui crache des trucs, ou au moins qui feule. Je sais pas si on peut dire feuler pour un... Non, mais qui crache, hein, parce que c'est clairement l'effet de la salamandre dans le jeu. Hein. Voilà, qui se cabre, prêt à attaquer. C'est une pièce d'artillerie, en fait, mais sous forme de lézard. Et là, ça marche très bien, quoi. Plus, le code couleur est là aussi. Ça paraît con, hein, mais les couleurs pour représenter, qui rappellent la figurine originale. Bah, si c'est cohérent avec les couleurs de son armée, il n'y a aucun souci. Quoi. C'est exactement ça. Par contre, Thomas, est-ce que tu as des petits artilleurs skink qui tournent autour pour piquer le serpent pour qu'il crache au bon moment ? C'est pas que j'aime pas les salamandres, c'est qu'elles sont moches. C'est vrai, ça. Ah. Mais ça, c'est une à moi, donc... Ah bah là, oui, on est dans le... Là, on va être dans l'exemple. Est-ce que c'est une conversion ou est-ce que c'est un proxy ? Donc, c'est la sorcière elfe de Silver Tower que j'utilise pour faire mon Shadow Seer Harlequin. Donc, le Shadow Seer, il est équipé d'un bâton de brume, un masque miroir et des vapeurs hallucinogènes, quoi. C'est un mélange de proxy et de conversion. Et un pistolet shuriken. Et donc j'ai juste collé un pistolet shuriken sur la figurine. Parce que pour moi, elle avait déjà tout. Le masque, elle était déjà... Le masque était déjà dessus. C'est ce qui m'a donné envie de l'utiliser. Effectivement, c'est juste le pistolet. On est allé une petite conversion, mais on est clairement dans le proxy. Là.
comme dit, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Proxy ou pas proxy pour cette figurine? Bon, je pense, je devine quand même que les réponses seront assez unanimes là sur ce sujet-là. Ah ouais, tu crois? Assez unanimes. Je pense que les gens sont d'accord pour dire qu'on touche au proxy. Sauf ceux qui pensent qu'on, quand on reste dans la même marque. Thomas, tu es là? C'est une question de point de vue. Là, en plus, bon, il y avait une question de beauté. Je préfère cette figurine au Shadow Seer, parce que le Shadow Seer, je le trouve très statique. Là, au moins, elle est dynamique. Moi, je l'aime bien. Justement, elle flotte. Mais c'est surtout que si on veut en mettre un deuxième. Bah ouais. Et là, on rejoint ce que tu disais. Mmh. Tu n'as qu'une figurine pour la représenter. Ouais. Comment donner du caractère si tes deux personnages sont identiques visuellement? De plus en plus, chez Games Workshop, en dehors des lieutenants Primaris, c'est ça. Tout n'est qu'en un seul exemplaire. Exactement. Imaginons qu'un jour, je proxy vais mettre... Proxy est de bon goût. Pour ceux qui aiment les conversions, je vous invite à voir l'Instagram de Ingrimson. Ouais, c'est clair. L'Instagram de Ingrimson, il fait des trucs complètement fous, quoi. C'est de la conversion salade, tomate, oignon, supplément, planche de charcuterie. Conversion, car tout reste dans la gamme Games Workshop et parce que la base reste elfique. Conversion, pour moi, j'ai tendance à partir du principe que Proxy, c'est qu'on prend une figue d'une autre marque. Proxy version. Ah, bien Thomas, j'aime bien l'idée. Proxy version. Proxy plus, mais conversion aussi, car rajout du pistolet. Ouais, Proxy version, moi j'aime bien. Proxy version. C'est bien ça, ça mélange. Et donc là, bah, on revient à ce que je disais, le but... même en faisant du proxy ou de la conversion, et que ce soit cohérent avec la description de l'unité et qu'il n'y ait pas de doute possible. Mmh. Quand tu poses ça sur la table, à aucun moment ton adversaire il va se dire « ça, c'est je pense que c'est un solitaire ». Voilà. Tu vois, l'équipement ne correspond pas au solitaire. Non. Le design de la figurine, l'esprit de la figurine ne correspond pas à... Le bâton, c'est à un troop master. Donc voilà, il y a le bâton, il y a le masque miroir, c'est super important pour le Shadow Seer, le masque miroir. Et du coup, ça passe très bien. Voilà. Non, bah c'est ça. Hein. Après, les marques elles-mêmes peuvent proposer des proxys genre Aristeia. Alors justement, j'y viendrai, Aristeia, on a des exemples. C'est bête de faire un exemplaire de Figus, surtout quand on sait le méta spam des armées. C'est des skins plutôt risqués. Ça, Games s'en fiche un peu. Hein, est-ce que c'est un anglais avec une brenne? Quoi? C'est un live qui revient régulièrement. Bah intéressant ça aussi. Donc ça, une autre de mes conversions. Hein. Vincent qui dit, c'est un proxy, ce n'est pas la bonne base de figurine. Mmh. Alors là, bah, autre chose, voilà, c'est un... Alors ça, c'est vraiment de la conversion à mes yeux, d'autant plus qu'elle n'est pas censée représenter quelque chose existant en termes de jeu. Le but était juste de... c'était pour de la pure narration, c'est un pion objectif. Oui. Voilà, c'était un civil à aller sauver pendant une mission Mais tu sais que, team. Même si dans ton cas, effectivement, c'était dans ce but-là, là, je pourrais te dire, tu pourrais le jouer en Tech Priest. Hein. Eh ben, pour le coup, non. Parce qu'il n'a pas le bon équipement. Il n'a pas sa petite, sa petite hache. Il n'a pas la hache, il n'a pas le cerveau harnais, et le pistolet qu'il porte, c'est pas le bon pistolet. D'accord. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas un truc que je jouerais en proxy, parce que... Ouais. Cette arme est présente dans l'armée que sur les champions Skitari, et donc c'est pas un champion Skitari, et il a pas le reste des équipements correspondant à un Tech Priest. D'accord. Voilà. Donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment juste de la conversion pour se faire plaisir, conversion visuelle, et qui n'est pas jouable en l'état. Voilà, justement, on parlait d'Aristeia. Bah ça, c'est typiquement un proxy Aristeia, c'est-à-dire c'est une figurine qui est le même personnage que dans Aristeia, c'est Elseigneur Massacre, mais là, dans sa version Infinity, donc en métal, et que j'ai préféré peindre, parce que je n'aimais pas trop la version plastique. La version Plastaga. Voilà. C'est triste, une armée sans proxy ni conversion. Alors ça, je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Mais personnellement, c'est je suis... le meilleur moyen de donner une personnalité à l'armée, c'est effectivement de jouer là-dessus.
Et surtout, alors, le plus gros exemple, hein, c'est Warhammer, c'est les jeux de Games Workshop, forcément, parce qu'ils ont une gamme qui est très étendue, ils ont énormément de kits qui sont intercompatibles, et du coup... Qu'ils étaient. Ils le sont de moins en moins. À cause de... Non, ils le sont toujours, honnêtement. C'est possible, mais c'est moins facile qu'à une certaine époque, au niveau interchangeabilité. En fait... Tu dois jouer du cutter maintenant, là où avant, oui, tu pouvais juste intervertir des pièces. C'est ce que je veux mais dire. Mais c'est pas plus compliqué, faut pas exagérer. Bah, entre échanger des pièces et jouer du cutter est un peu plus compliqué quand même. Ouais, pas mais inaccessible, mais plus, ça nécessite plus d'efforts que d'échanger juste des... De toute façon, même quand j'échangeais juste les pièces, il fallait toujours recouper quand même des trucs pour que ça corresponde bien. Donc, Enfin bref. Donc, c'est un univers qui est tellement grand et tellement vaste qui te permet d'inventer ce que tu veux. Exactement. Et du coup, te cantonner à faire uniquement ce que Games a fait visuellement parmi tout le reste, en précisant bien que ce n'est qu'une partie de ce qu'on connaît, c'est ça. Bah, c'est un peu dommage. Donc forcément, si tu commences à faire des conversions, des proxys, etc., tu personnalises ton armée, l'univers donc tu explores. Voilà. L'univers encourage, c'est un pot pourri en fait, un melting pot de tout ce qu'on pourrait faire, de fantasmes, de visuels SF ou fantastiques. L'univers de Games Workshop, donc se limiter aux figurines, effectivement, c'est se limiter par rapport à l'image qu'on peut s'en faire. Je sais pas, qu'on veut se faire une armée dans une thématique particulière. C'est possible. Cet univers est tellement vaste que c'est largement possible en termes d'esthétique. Et ça encourage, enfin ça nous encourage à faire ça, c'est pour ça que c'est très répandu dans les jeux de cet univers. Bah, moi de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne, hein, sur les armées de 40K, c'est-à-dire que faire l'Adeptus Mechanicus là, que j'ai fait récemment, j'aurais pas eu envie de le faire si c'était pour faire l'Adeptus de Mars en rouge avec... Ah bah non, clairement pas. Tel qu'il était et tout, ça m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une autre histoire que celle qu'on connaît, parce que l'univers est suffisamment vaste pour pouvoir se le permettre. Voilà. Exactement. Et j'ai envie d'explorer cet univers. Alors, bah là, alors ça c'est un très bon exemple. Là, ouais, on va aller plus loin là. Voilà, ça c'est un gros proxy. C'est un Talos Eldar Noir que j'ai réalisé en 2012, je crois que c'était la sortie du nouveau codex 2010. Attends. Là, je saurais pas dire. 2000. C'était 12 ans. J'étais en pause à cette époque. 2010. C'était 12 ans. Ils ont mis 12 ans à sortir le deuxième codex Eldar Noir. Entre le premier de la V3 et le deuxième, il s'est écoulé 12 ans. Ouais. C'était très drôle. Il y avait un article à un moment sur un site. C'était. Tous les joueurs l'ont attendu pendant 12 ans, ouais. Et enfin il est là, et en plus il est génial. Non, ce n'est pas Duke Nukem. Donc voilà. Et donc là, c'était un Talos, tout simplement, parce que le vieux Talos métal ne correspondait pas du tout à ce qui était décrit dans le bouquin. Ça. Et il n'y avait pas de nouveau, en fait. Il n'y avait pas de figurine qui était sortie à ce moment-là. Donc c'est un proxy qui vient d'une nécessité du fait que la figurine n'existe pas dans la gamme. Alors faut savoir qu'en V5 et V6, c'est extrêmement courant chez Games Workshop, hein, oui, de sortir des profils et de ne pas avoir de figurines pour les et ça leur a posé des problèmes parce que d'autres marques proposaient des figurines exactement qui correspondaient. Donc maintenant, ils ne font plus la même erreur, ils font extrêmement attention à ça. Et donc, on avait un visuel du Talos dans le bouquin, qui ressemblait à un scorpion, qui gardait un petit peu le design de l'ancien, mais en beaucoup plus effilé. Et j'aimais cette idée du scorpion, et donc je suis parti d'un Warjack Chris pour War Machine. Et donc j'ai retourné le corps. Donc on a, ici c'est la cavité pour la tête, donc normalement qui va en haut. Et là, par exemple, les décorations qu'il y a le long de la coque des Raiders, que j'ai mis dans l'emplacement des jambes, en fait. Pour cacher l'emplacement des jambes. Et donc, les Krix, les Warjack de War Machine, ils arrivent avec
trois sets de bras et trois têtes, en fait, pour que tu puisses assembler le Warjack que tu veux. Et du coup, bah, j'ai utilisé un des bras que j'ai cassé au niveau de l'articulation, et j'ai recollé comme ça pour qu'il sorte de l'arrière vraiment en queue de serpent. Et j'ai utilisé pour faire le canon qui est là. Le canon éclateur. Éclateur, celui-là. Et pour les autres, alors c'est drôle parce qu'à l'époque, typiquement, dans le codex, là on va parler justement un peu de ces figurines qui ne sont plus qui ne sont plus bonnes à cause de l'évolution des codex, alors que ce sont des figurines officielles Games Workshop. Ah oui. C'est-à-dire que dans le codex, le Talos, il a un équipement qui s'appelle Arme de Talos, et on le décrit comme d'énormes griffes ou pinces ou gantelets, voilà. Donc moi j'en ai fait un, voilà, il avait une griffe, il avait une pince avec en plus les petites charges là, voilà, les petites fioles et tout, ça faisait bien glauque, bien expérimentation, donc ça me plaisait beaucoup. Et par la suite, en fait, la dernière mouture, en fait, est très exigeante sur les équipements possibles pour un Talos. Quoi. Ouais. C'est des macro scalpels, donc faut que ce soit un truc tranchant, ou un gantelet, donc faut que ce soit une main. Et donc t'es là, tu fais... T'as présente quoi ? Je t'emmerde. Va te faire foutre, Game Workshop. Ouais, donc... donc voilà. Tout bien, tout honneur. Donc voilà, donc ça c'était vraiment né de la nécessité de pouvoir jouer la figurine alors que la figurine n'existait pas. Là on est dans la notion, ce que je dirais, de proxy avancé. Clairement. Parce que là on touche d'une autre gamme, on réassemble... là, on essaie de... C'est de la conversion de proxy. La proxy-version. Tu viens, Mécha ? La proxy-version. Proxy-version. Alors là, on a une figurine de Thomas. Donc, c'est une figurine de Infinity. Une édition limitée, en plus, je crois. Donc, un sniper avec une cape de camouflage. Voilà, la totale. Et en fait, Thomas le joue en tant que assassin vindicaire. Dans son armée Space Marine, puisqu'il joue une armée Alpha Légion, et donc ça fait partie de. En termes de règles, il le joue comme un Saint Vindicaire pour représenter un sniper très, très fort. Mais dans son histoire personnelle, en fait, c'est un agent humain infiltré qui est un sniper spécialiste de l'infiltration et tout. Et ça marche super bien, en fait. On a une figurine pareille. On va pas avoir un doute sur ce que c'est au sein de l'armée. T'as une armée de Space Marine avec un mec comme ça, tu fais bah oui, c'est un sniper. Oui. Surtout que c'est le seul humain, alors que tous les autres sont des Space Marines. Oui. Donc quand il te dit, bah, ça c'est mon Kuntaz Vindicaire, tu comprends. Voilà, il n'y a pas de doute possible. Le design correspond, il n'y a aucune modification à première vue sur la figurine. Parce que le design de la figurine correspond exactement à l'idée. Derrière la figurine, derrière le profil. Voilà. Elle n'est pas censée représenter autre chose, c'est pas un truc qui va se jeter à la gorge avec un fusil, hein, enfin avec un couteau ou un sabre. Quoi. On est dans autre le proxy pur et dur. Quoi. Autre proxy conversion. C'était pour mes. Toujours pour mes Eldar Noirs, donc en 2010, à leur ressortie. Tu avais deux profils de tourmenteurs. Tu avais les tourmenteurs et les maîtres tourmenteurs. Ah. Et en fait, Games proposait à la vente une seule figurine pour les deux profils. Ouais. Sachant qu'en plus, les tourmenteurs avaient une capacité, tu pouvais en acheter trois pour occuper un seul choix QG. Donc j'avais plein de tourmenteurs mais une seule figurine pour la présenter, quoi. Une seule figurine. Et comme c'était une figurine qui volait sur des trucs, je m'étais dit, ce sera mon maître tourmenteur, la figurine officielle de Games. Ouais. Et du coup, je vais me faire des petits tourmenteurs qui sont des acolytes de ce gars. Et comme, typiquement, je trouve que les tourmenteurs sont très inspirés des personnages de la saga Hellraiser. Oui, c'est vrai. Clairement, enfin, regardez le Hellraiser 2 avec le docteur qui tient en lévitation par un espèce de nombril, de fil ombilical qui lui arrive derrière la tête et qui le tient comme ça au-dessus du sol. On est clairement dans ce qui a inspiré les tourmenteurs actuels de Games. Trop glauque. Et donc, il me fallait des petits tourmenteurs. Et donc, celui-là, c'est sur une base de sorcier de l'Empire.
que j'ai gratté, j'ai coupé le torse pour insérer un torse de Kabbalite, pour avoir le côté Eldar noir. Et pareil, au niveau des équipements, bah, y avait plein d'équipements disponibles dans la liste qui n'existaient pas dans le... en figurine. Oui. Et donc là, c'est un Jedi vitrificateur, son équipement. C'est une arme que j'aime beaucoup. En fait, c'est un fusil de sniper qui envoie des échardes de verre remplies d'un liquide toxique qui transforme qui fragilise en fait le corps de la cible, qui le rend cassant. Et du coup, bah, je suis parti d'un... Donc il y a un corps de fusil Eldar noir avec le canon d'un... d'un fusil, d'une arquebuse de l'Empire, avec au bout une seringue du kit de Talos qui était sorti entre temps, je crois. Il me semble que c'est ça. Et pareil, il y avait un équipement qui était le gantelet neuroliseur, un truc comme ça. Oui. Et donc j'ai fait un bras mécanique dans le dos avec une espèce de main mécanique qui sort, et donc c'était ça le gantelet neuroliseur. Et c'est une tête de goule de mantique que j'ai scarifié au scalpel pour faire. Les lignes de Pinhead dans Hellraiser. Voilà. C'était l'époque où Games permettait officiellement d'avoir de l'imagination. C'est vrai. La blouse doit être malade de voir toutes ces figurines Games Workshop modifiées. Et pas peintes comme sur la boîte en plus. Donc là c'est aussi de Thomas, donc c'est un autre exemple de proxy, là du pur proxy, puisque c'est une figurine Avatar of War. Avatar of War qui est typiquement une marque qui s'est créée pour faire du proxy de Warhammer. Hein. C'est-à-dire que... alors ils ont un jeu, Arena, Avatar of War Arena, ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais... faudra que je teste un jour, tu vois, par curiosité, pour voir ce que c'est. Mais le jeu est arrivé bien après toutes les figurines qu'ils faisaient. En fait, pendant longtemps, ça a été leur argument sur leur site de dire on développe une gamme de figurines pour sortir notre jeu, mais pour l'instant, le jeu n'est pas prêt à sortir. Et comme par hasard, c'était que des figurines de personnages disponibles dans Warhammer. Puis ils ont commencé à faire aussi du futuriste à un moment. Donc voilà. Deathmatch Arena et c'est naze. Ok, bah merci José. donc voilà, donc ça, bah, c'est la figurine telle quelle d'un gros lézard ou d'un coxigor. Enfin, voilà. Un lézard qui est censé représenter un coxigor, c'est ça? Non, c'est pour les Hérosaurus. D'accord. J'ai trouvé que les Hérosaurus de game c'était pas beau, donc voilà. Et c'est vrai que bah, c'est une figurine qui a de la gueule et bah, on comprend tout de suite ce que c'est sur le champ de bataille. Ouais. Tu la poses, tu vas pas te dire. C'est un tétard. C'est un tétard. Ouf, alors là, bon, c'est une vieille photo que Thomas nous a envoyée. C'est pas très lisible. Et donc, c'est son... c'est un... Alors, attends, je vais retrouver le texte. Le texte de Thomas là-dessus. Il n'a pas utilisé des... Si, je crois qu'il a utilisé un corps de chevalier gris. Attends, je suis en train de chercher le texte en même temps. Enfin, jambes et, enfin, et surtout le torse, j'ai l'impression. Parce qu'on dirait qu'il a... Il a une arme sur le gantelet. Là, je dirais même... C'est vrai que là, c'est là que la limite peut être floue. Là, on est presque dans la conversion. Voilà, donc c'est Darius, le capitaine de son Alpha Légion, dans sa troisième itération. Mm-hmm. Donc c'était un corps de chevalier gris, tu avais raison, avec divers bits. C'était pour représenter Huron Sombrecoeur, en termes de règles. Voilà. D'accord, donc là, effectivement, on est effectivement dans le proxy, parce que c'est... Ouais. Parce que Huron était trop fort à l'époque et que Darius a toujours été adapté à ce qu'il y avait de plus fort dans mes premières années de hobby. C'est bien là-dessus. C'est bien, c'est mignon. J'avais fait une version de Vulcanestan pour une Marines violet à l'époque. Conversion toute cheap dont je suis pas fier. Mais... Alors. Là, c'est déjà quelque chose de... Ouais.
Non, j'étais. T'écoutes quelque chose de. Bah, en fait, c'est une figurine qui vient d'une autre gamme, celle-ci. Ouais. Et elle représente clairement. Alors, moi, au premier coup d'œil, on voit ce que c'est. C'est censé représenter un canon Thunderfire. Exactement. Et je trouve qu'effectivement, le visuel colle super bien. Il y avait donc, ce qui était aussi marqué dans le texte, je ne sais plus qui avait posté ça. C'est Alexandre qui a posté. C'est Alexandre, et il disait qu'en fait, c'est qu'au moins là, tu vois vraiment que le canon, il peut vraiment pointer pour tirer en indirect. Alors, c'est un kit Cromlech. Ouais, c'est ça. Il a modifié pour justement pouvoir le mettre en tir indirect, parce que de base, la figurine ne fait pas ça. Ouais. Et voilà. Et c'est marrant parce que j'avais lu un article il n'y a pas longtemps à propos du canon Thunderfire. Qui actuellement, a priori, doit être super fort en Space Marine, donc tout le monde en veut. Ouais, oui. Sauf que c'est, la figurine est hyper difficile à obtenir. En fine cast. Il devait y avoir une rupture de stock. Je sais que j'en avais en métal. C'était une erreur à monter. Ça n'existe plus maintenant, c'est en fine cast. Ouais. Et ça n'a pas été refait dans la gamme actuelle, alors que le profil est intéressant, donc forcément les joueurs veulent en avoir. C'est ça. Et du coup, c'est quel est le principe de Games Workshop derrière de. Donner un bon profil à une figurine qui n'est pas disponible dans la gamme, forcément les joueurs vont aller chercher des proxys pour pouvoir jouer ce type de profil. Et à un moment, c'est eux qui provoquent leur propre. Je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas vu venir leur propre. Leur histoire, ils font peut-être qu'on écoule nos Thunderfire, on en a trop. C'est pas impossible. De quoi ? Qu'ils veulent, de toute façon, on va pas se mentir. La gamme marine standard est vouée à disparaître avec le temps. Donc, est-ce qu'ils avaient trop de stock Thunderfire ? Je sais pas. C'est qu'une supposition. Le mystère reste entier. Mais en tout cas, c'est clairement en termes de proxy là, on voit clairement ce que ça représente. Le canon ressemble. Enfin, évidemment, si c'est Cromlech qui l'a fait dans le but de, enfin, le visuel colle vachement quoi. Mais voilà, c'est là, on est dans le proxy. Clairement. Alors, je vais juste aller chercher parce qu'il y a une photo qui va avec. Voilà. Donc ça, justement, c'est son Tech Marine. Alors, attends, je remets. Alors, je crois que c'est le sergent Cronus, conversion du sergent Cronus, je suppose. Voilà, donc il dit conversion sur base du buste du sergent Cronus qui me restait en stock, des jambes de Deva, première version plastique, et le reste du bricolage. Accompagné d'un serviteur pour représenter son harnais. La figue ne sert à rien en jeu en fait, elle est entièrement bricolée en carte plastique sauf le harnais de chez Cromlech, le buste du kit de Dryade et le crâne de chez Cromlech. Ça rend bien. Voilà. L'idée ici était d'avoir un gunner unique et le mien. Voilà. Bah, c'est réussi. Hein. Voilà, exactement. Je trouve ça marche impeccable en termes de design, de conception. Voilà, on comprend tout de suite que c'est un Tech Marine. Le pion servo-harnais à côté pour avoir les équipements WYSIWYG, je trouve ça excellent. C'est une super bonne idée. Thomas avait fait ça aussi sur son... le truc, le perso Iron Hands là, qui est super pour faire un Tech Marine, il a converti pour faire un Tech Marine et comme il n'aimait pas le bolter lourd au bout du bras, il a fait un petit char avec un bolter lourd dessus en pion à côté, pareil dans la même idée. Et je trouve ça excellent en fait quand tu dis effectivement ça colle pas sur la figurine, tu vois, j'ai envie d'avoir une figurine qui a un certain design, qui a une certaine classe, qui a un certain, voilà. Et l'élément, il y a un élément dans l'équipement qui colle pas. Et du coup, faire un pion à côté pour dire il est là, même si ça sert à rien, je trouve ça génial. Je trouve ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. C'est c'est trouver l'équilibre en fait entre le style et le jeu. C'est toujours une entre ta narration. Jongler, hein. Et, ça c'est très très bien. J'aime beaucoup. J'avais jamais vu ça comme ça. L'idée de mettre un pion à côté pour représenter l'équilibre. Mais ouais, moi je trouve ça vraiment super. L'idée est bonne. L'idée est bonne, j'avoue. Ouais. Est-ce qu'on va discuter de pourquoi faire des proxys aussi ? En fait, on a déjà commencé à en parler au début de la vidéo. Oui. Mais on va continuer à en parler. Hein. À votre avis, vous, qu'est-ce qui motive en premier le choix de faire des proxys ? Parce que là, comme on a les explications des gens, on sait quel est leur choix, du coup. Donc là, on arrive sur des figurines de Quentin. Alors pareil, hop, je ressors ma petite...
mon téléphone pour avoir des explications. Forcément, alors ce qui est chiant, c'est que les photos sont pas dans le même ordre que sur le site. Voilà. Quentin qui nous explique, donc c'est Borg, une faction presque complète et totalement convertie pour Eden. Deux raisons à ce projet, je n'étais pas tant attiré par les figurines Ascari, mais j'aimais leurs règles et je voulais montrer qu'on peut faire des conversions lourdes avec des figurines Eden, chose qui faisait pas mal débat sur le forum à l'époque. Bien avant les Immortels et les Borg, j'ai décidé de me faire mes propres cyborgs, j'avais deux limitations pour mon projet. Utiliser exclusivement des pièces Eden. Je n'ai pas réussi, je suis passé à 90% de pièces Eden, le reste uniquement du Rabiot, pas d'achat. N'utiliser aucune pièce de la faction Ascari pour éviter toute erreur de mes adversaires. Il me manque 3 profils. Un est déjà converti, n'attend plus que la peinture. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. J'aime beaucoup l'idée. Tu sens qu'il y a, un cahier des charges qui est très intéressant derrière et qui, justement, dans sa façon de procéder, va avoir ce truc dont je parlais de cohérence pour identifier facilement les figurines sur la table. Alors, si vous ne connaissez pas les figurines Eden qui sont concernées, on va vous expliquer un petit peu le principe de chaque figurine et voir s'il a réussi à retranscrire ça. Donc là, il nous dit « Je me suis beaucoup amusé sur les échassiers. Ce sont mes Wanashab, Almé et Arcabut. » qui sont donc leurs règles, de gauche à droite, sont le contournement, le harcèlement et l'agilité. Et je voulais leur donner un air gracile et inquiétant. Donc là, ils détaillent un peu les pièces utilisées dans ces figurines. Mais globalement, on reconnaît le Wanashab, qui ici a la particularité d'être très rapide et d'avoir une arbalète. Alors, on la voit ici, c'est pas très lisible, mais elle est là. Ouais. Pour le coup, je me demande si c'est pas l'arbalète officielle en plus du Wanashab. On a ensuite Almé. Donc l'Almé qui est c'est un genre d'assassin silencieux qui vient pour achever ses cibles et qui est très rapide aussi, très agile. Donc en plus avec le fait de mettre un élément de décor et de la faire sauter depuis cet élément de décor, ça donne ça. Et pour la dernière, c'est donc une arcabute. L'arcabute chez Ascari est une mutante qui a plusieurs bras, style araignée. D'accord. Et là, je trouve que le côté des bras mécaniques en plus donne le change. Donc ça fonctionne très très bien. On reviendra après sur les autres de la collection. Ça, c'est toujours Thomas. Donc, c'est encore une figurine Avatar of War pour faire son porteur de la grande bannière. Avec la bannière elle-même est faite avec la machine des dieux qui allait sur le Stéganon. Voilà, donc pareil. Proxy. Dans la même veine que le Saurus. Que son héros Saurus, exactement. Là, on est sur proxy et conversion pour la bannière. Il y a une Felkias qui nous dit « Perso, les proxys que j'ai sont uniquement pour éviter des figurines fine cast. » Ceci ne... C'est un argument plus que valable. J'ai eu la chance de ne pas être trop confronté au Felkast. Soit ils ont passé les kits au plastique, soit j'avais déjà les figues métal correspondantes. Ouais, le Finecast. Attends, je réfléchis, parce qu'il me semble que j'ai eu une figurine à faire en Finecast, mais non. J'ai peut-être laissé tomber. Et j'ai fait autre chose, c'est possible. C'est plastique mou, récupérable. Je pense que le premier truc, c'est d'avoir une armée unique et non générique face à un adversaire. Faire qu'il s'intéresse à une armée qui sort du lot et qu'il apprécie de jouer contre. C'est exactement ça. C'est une belle façon de penser, j'aime beaucoup. Moi, je dirais le plus important pour un proxy, c'est de coller au thème que tu veux donner à ta figue, genre un leader ou quoi. C'est l'occasion de le rendre unique. Et Thomas nous dit c'est de la proxy version. Oui. Voilà, donc autre figurine de Quentin. Hop, je vais revenir sur l'appli pour dire à quoi correspond celle-ci. Donc là, ce sont les 3 chefs possibles. Donc, à gauche, on a Faïm, un docteur fou dirigeant un zoo biomécanique. Ça me semblait cohérent. Donc, on a le côté un peu savant fou, comme ça, qui flotte au-dessus du sol. Avec des membres supplémentaires. Ah, là, il y a une petite... ça, c'est un petit truc de 40K. C'est un disloqueur... ça aussi, en fait. Ça, c'est une pièce de Talos, et ça, c'est un disloqueur Eldar Noir.
les bits dont il parlait, ouais. De récup. Donc ça, c'est vraiment des chefs, là, hein, ce qui, dans ce qu'il propose. Donc moi, j'aime bien le savant fou, on voit bien le principe. Mmh. Ensuite, on a Aïcha. Donc écoute-moi. Ouais. Voilà, qui est une, qui est une femme qui donne des bonus d'esquive à ses alliés. La figue ressemble à quoi à la base ? La figue, elle est beaucoup plus humaine que ça, elle est moins mécanisée. Et elle a un masque sur le visage. D'accord. Voilà. Et Gazi, qu'il a fait un centaure greffé à une bestiole. Gazi, à la base, c'est un cavalier sur un scorpion biomécanique. Donc là, voilà, il l'a réinterprété. Voilà, mais les proportions centaure. Sont les mêmes, ça reste une sorte de bestiole à quatre pattes. C'est ça. C'est cohérent. Non, mais voilà, c'est là. Ah bah ça, justement, ça, c'est un Borg de Eden, mais un Borg officiel. Donc ça, c'est une de mes figurines que je joue en tant que grotesque dans mes Drukhari pour avoir marqué 40 000. Tout simplement parce que, les grotesques sont dégueulasses. La figurine est horrible, donc j'ai pas envie de la jouer. Les monopos, je suppose. Monopos, il y a... en fine cast. En fine cast, en plus. Ah, un seul exemplaire, alors que c'est une figurine que tu joues par unité de 3. Oh là là, oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, vraiment dégueulasse au possible. Et en plus... Si je dis, ah non, il y a deux mains dans la boîte, donc non, t'as le choix. Enfin, t'es un peu limité dans le choix de ce que tu lui mets quoi, comme équipement. Ouais. Et ça, donc, c'est une figurine de Eden, c'est une figurine en édition limitée. Il y en a trois dans la boîte, et qui sont des... pour le coup, ils sont des proxys, en fait, de profils existants. Donc le principe, c'est qu'ils vont avoir exactement les mêmes profils que des profils qui existent déjà, que des figurines qui sont déjà dans le jeu, mais avec une règle spéciale qui fait que tu peux les jouer que tous les trois ensemble, et que c'est une compo fermée, en fait. Cette compo utilise des profils ISC, qui est ma faction de cœur, j'ai tout l'ISC déjà. Donc je n'ai pas d'intérêt et pas l'envie, parce que j'adore les robots de l'ISC, et j'adore ces trois profils, donc j'ai pas envie d'avoir des remplaçants à ces profils, donc je sais que je ne vais pas les jouer à Eden, puisque je joue déjà mes ISC. Et du coup, j'ai décidé de... Tu vois, je l'ai soclé directement pour du 40K, et il va très bien dans mon armée, et je trouve qu'il fait un bien meilleur grotesque que les grotesques officiels. Et le chat est d'accord. Qu'est-ce qu'on non, dit il veut grailler, lui. C'est pas par unité de 14, les grotesques. Tellement plus classe que les vrais grotesques. Hein. Un collègue à moi s'est fait une pléthore de grosses surbases de raogres et de grosses ghouls AOS. Dernièrement, les ogres de Blood Bowl, ça tue. Ouais, j'avoue, il y a moyen de faire des trucs très sympas avec tout ça, ouais. Mais là, du coup, j'ai ceux-là que je trouve vraiment très très bien... Il y a déjà le côté mutant, expérimental. Donc voilà, il y en a deux autres qui vont avec que je vais peindre pour faire ma petite unité de 3. Donc voilà. Et après, j'ai des conversions que j'ai commencées il y a bien longtemps qui sont toujours pas finies. Sur base de Minotaur Games Workshop. Alors pour la raison la plus conne du monde, solde chez Cultura, 5€ la boîte de Minotaur. Voilà. Et des trolls d'eau. Parce que j'adorais le design, et pareil, 5€ la boîte de troll d'eau, donc j'ai pris les deux, et j'ai commencé à la mélanger entre eux, avec en plus des bits de figurines confrontation en plastique prépeint, là, donc ça se complète très bien, mais ça, toujours pas fini, et je préfère faire cela en priorité, en fait, je les trouve beaucoup plus classe que les conversions que j'avais commencées. Ouais. Donc voilà. Et là, ça peut être aussi une très bonne raison de pourquoi faire des conversions. Je trouve cette figurine magnifique. Oui. J'avais envie de la peindre, je l'ai peinte, j'ai envie de la jouer. Oui. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir la jouer ? Exactement. Sous quel profil ? Sous quel profil ? De quelle façon ? C'est ça. Voilà. Donc c'est une façon inverse en fait de ce qu'on disait de au lieu d'avoir un profil que j'ai envie de jouer et de trouver la figurine pour pouvoir le jouer, j'ai une figurine que j'ai envie de jouer, et j'ai trouvé le profil qui correspond pour pouvoir la jouer. Voilà. Voilà. C'est un jeu de pitou à la base. Alors oui, José propose d'ajouter des kératis et tout. Alors je pense pas aux kératis parce qu'ils sont trop petits,
Les artistes, ils sont sensiblement plus grands qu'un humain, mais du coup, sur un socle de 40, ils font vraiment tout petits. Mais j'ai des Asiatis et des Némésis qui iront très bien. Et des Centurus aussi. Mais voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. Si quelqu'un se débarrasse de figurines alchimistes de Durst, je suis intéressé, parce que ça se peut que je parte sur ça pour faire une armée âge de la magie. Quoi. Ah. Enfin bref. Référence à ton dragon. Ouais. Là, c'est une nouvelle figurine de Thomas. Qui est. Donc, c'est sur base de figurines Vanguard Stormcast. Mm-hmm. Avec quelques bits de Chevalier du Chaos qui lui restaient. Et, et les têtes alternatives du Duc du Changement. Et du coup, bah, voilà, il nous fait des Vanguard. Non, des. Pas des Vanguard. Des Varangard. Voilà. Varangard. Voilà. Et donc sa raison est parce que 45 euros c'est toujours moins cher que 80. Argument indéniable. Surtout si t'as les bits et en plus c'est personnalisé. Bah ouais, et puis surtout, pourquoi voilà, il va avoir des figurines qui vont avoir de la gueule sur le champ de bataille parce voilà. qu'ils sont vraiment classe. Voilà. Voilà, faut dire ce qui est. Ouais. Ça va vraiment avoir de la gueule et c'est unique. Ce sont les tiens. On va pas les revoir sur la table à côté. Quoi. C'est ça. Non, moi j'aime bien. Ils sont vraiment cool. La personnalisation, c'est la vie. Ouais. Dixit le type, on fait presque plus. Soupir. En tout cas, je respecte toujours ce genre de. Alors, là, il y en a d'autres de Quentin. Le guerrier et le charir. Je voulais vraiment leur donner des airs mi-bestiaux, mi-humains. Le premier est simiesque et à la tête déformée. Le second est un animal aux bras mécaniques totalement humain. Voilà. Donc, dans le jeu, le guerrier, c'est un. C'est un mec très grand, très balèze, hein, qui défonce un peu tout sur son passage. Et le charir, c'est un tigre. D'accord. Ouais, donc là, je trouve qu'on a bien le... L'idée est là, quoi. Mm. Ouais, ça fonctionne bien. Hein. It's working. On peut avoir la face avant. Voilà. Un ironclad. Ça, c'est censé représenter un ironclad, exactement. Donc ça, c'est une vieille conversion que j'avais faite. Je sais même pas si à l'époque, le Dreadnought existait. Il me semble que le kit n'existait pas encore, en plus. Du Dreadnought Ironclad ? Ouais, parce qu'ils avaient fait le profil, mais pas encore la figurine. La figurine est sortie bien plus tard. Et je ne sais pas. En tout cas, en l'état actuel, j'ai toujours trouvé le Ironclad hideux. Mais vraiment, je déteste la figurine. Et il y avait une époque où ils avaient tendance à sortir des Dreads différentes entre les différents chapitres où ils avaient déjà sorti le Dread Chaplain. Et bon, dans ma tête, bah, je me suis dit pourquoi pas un Dread de Tech Marine. Donc je suis parti sur cette base-là pour faire un Ironclad. Donc c'était un Dread MK4 Forge War, donc la version de base, hein, pas chapitral, que j'ai converti. Donc j'ai utilisé un des bras, c'était le bras du Dread de siège Forge War, ça. L'assaut de drill Forge World. L'autre, c'est un point de combat Forge World à qui j'ai rajouté une vis pour représenter un forêt. Comme pour le. J'ai rajouté des plaques d'armure sur les. De part et d'autre de la tête. Devant, en fait, les plaques d'armure un peu striées, j'ai rajouté en carte plastique. Pour justement représenter un blindage un peu plus costaud, y compris sur les épaules. Et pour représenter ce qui sert un peu de cerveau harnais, en fait, c'est des jambes de sentinelle. Ah ouais. Des jambes de sentinelle que j'avais en rab et que je dis, tiens, je vais les. Donc c'est et sur cette base là mon armée marine je l'ai revendue, mais il y a des figues, les dreads je n'y ai pas touché, j'y tiens, c'est affectueux. C'est affectif, je peux pas les lâcher seul. C'est une conversion qui j'aimais bien, je l'aime toujours d'ailleurs. Et là, donc là on voit de dos en fait effectivement les jambes qui sont collées, repositionnées pour mais en tout cas on voit la figue, on voit que c'est un dread qui est déjà fait pour taper au corps à corps, parce que c'était le seul qui a deux armes de corps à corps. Et c'était du WYSIWYG, c'est-à-dire que le fuseur était... Là, le fuseur est sur le point de combat, moi, le fuseur était sur le harnais. Il y avait même un missile tracker, il pouvait avoir du missile tracker, il est sur l'autre harnais. Donc on est vraiment sur du WYSIWYG dans ce cas. Mais converti. Cool. Et puis ça me permettait de travailler sur une couleur rouge, ça kiffant, avec rajouter les petites stries un peu sur les jambes. Là, En plus, ouais, l'idée d'une raid... Tech Marine, c'est rigolo. On devrait Tech Marine, ça me faisait kiffer. Thomas demande si c'est un Dahu. C'est une patte plus courte d'un côté que l'autre.
Ça, je sais pas, c'est une question de perspective. Et donc, dans la même série, tu nous as aussi fait... Voilà, donc toujours, et ça, c'est toujours un Ironclad. Et pour représenter, bah, le... Alors, autant pour le Tech Marine, c'est plus facile de rajouter des plaques de blindage, parce que le... La figurine d'un Tech Marine, c'est de quoi ? C'est, il a une armure énergétique, mais un peu bien renforcée de partout. Donc, sur le visuel d'un Dread, c'est pour ça que j'avais fait ces plaques en stri. Et sur un Dread lambda, comment on représente ? Bah, j'ai l'idée de mettre un bouclier, tout bêtement. Un gros bouclier. Bon, c'est-à-dire, elles sont où les armes de tir du Dread ? C'est simple, il n'y en a presque pas. Et puis, ça donne le bon prétexte pour faire un... Donc là, j'avais sculpté en fait le point pour... En fait, l'épée est en carte plastique. Bon, l'épée est assez sommaire, quoi. Le bouclier aussi est en carte plastique. J'avais rajouté des beats, les Edge Brass Forge World pour le... Pour le symbole du corbeau à l'avant. Mais ouais, les corbeau, points... mais pourquoi ? Non, mais je me demande bien. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ouais, donc là, c'est la base. La base, c'était un... Là, on était sur un Dread Vénérable d'Archangel. Donc évidemment, c'était à... on le peint différentes couleurs. C'est vrai que ça saute pas aux yeux que c'est en Dark Angel. Si on regarde peut-être les jambes, peut-être au niveau des anges, mais ça s'arrête là. C'est vraiment. Alors, il y a une très bonne remarque. J'y pensais aussi hein, de la part de José. Il a l'impression de voir des Warjack de War Machine. C'est bah, l'idée de mettre des points. C'est ça a été. J'ai dû voir une fois une conversion. C'était un type qui avait simplement sur son dread mis une épée, mais direct collé sur le point. Ouais. Et c'est là que je lui dis, il y a moyen de faire un truc encore plus, je veux dire, autant faire des mains quoi. Et depuis Games, avec le temps, certains de leurs dreads, ils ont des doigts. Hein. Je crois même que il y a le Dread Space Wolf qui tient directement une hache avec ses doigts sur son. Ouais. Donc là, ils ont. C'est une idée qui a fini par faire son petit bonhomme de chemin. Ça... J'ai l'impression que ça coulait de source, quoi. Entre les looks, justement, des Warjack, de War Machine. Je pense que c'était qu'une question de temps avant qu'on se retrouve avec des dreads réalisés de la sorte. Alors ensuite. Il faut que je retourne chercher. Ça, c'est un prince démon de cornes. Sur base de Deceiver Nightbringer. Ah oui, c'est Nightbringer. C'est Adrien Ratos qui nous a fait ça. Et donc il nous dit. Ah oui, c'est lui qui met Deceiver dans le truc, mais ouais, c'est Nightbringer. Aile de Griffon, épée d'Abaddon et Beats, spécimen du chaos, démon majeur. Ou seigneur avec réacteur dorsal. C'est vrai que le corps est assez fin, quoi. Il a des bras de. Je sais pas si c'est des bras de Terminator ou de Marines en fait qu'il a. Mais c'est vrai que le. C'est quand même des bras de Marines ça. Ouais. Mais ouais, l'idée est bonne. Hein. Bah ça marche super bien. Hein. Les ailes sont issues de quoi ? Un griffon. D'accord. Ça, c'est une pièce unique, quoi. T'en verras pas des dés comme ça. Bah, surtout que si c'est pour jouer ton prince démon ou ton seigneur, voilà, il a de la gueule, quoi. Voilà. En Moi, plus... j'aime beaucoup avoir justement le seigneur de l'armée vraiment unique. Vraiment, ah bah, il faut qu'il sorte, quoi. C'est le... Vraiment cool. Attends. Alors ça, c'est une figurine de Angron. Un seigneur du chaos de cornes sur base du corps d'Abaddon, mais le vieux en métal. Ouais. Et après avec du beats de cornes. Donc, avec la bannière posée derrière et tout. Et c'est jamais assez. Et c'est pour représenter quoi exactement ? Un seigneur de cornes en armure Terminator. Bah là. Alors, c'est vrai qu'il utilise le corps d'Abaddon. Ça reste une armure Terminator. C'est vrai que. On est presque exclusivement dans la conversion, là. On n'est plus vraiment dans le proxy, je dirais. Enfin, c'est censé représenter un seigneur, mais. Mais c'est pour ça que la limite est floue. Parce qu'après tout. C'est pas une figurine de Terminator, de seigneur Terminator. C'est la figurine d'Abaddon. Donc, en théorie, d'après la définition que j'ai donnée,
Si, on est quand même dans le proxy. En tout cas, c'est sympa. Donc voilà. Ensuite, voilà, toute la bande de... De Quentin, donc on peut voir des gros trucs là un peu plus sales et chelous derrière, voilà. Grosse bestiole, truc très armuré aussi. En tout cas, on le salitonnait à cœur, le thème. Ouais, ça c'est Larima et Moucharef. En fait, c'est un duo de figurines avec en gros un maître et un esclave. D'accord. Donc l'esclave va être là, c'est une espèce de créature lobotomisée qu'on envoie au combat, et El Moucharef qui est là, donc qui va le contrôler grâce à un gantelet télécommande. Ouais, l'idée est là, c'est pas mal. Donc c'est Oh. Alors ça c'est... si je dis pas de bêtises, c'est de Adrien, ça. C'est intéressant, quoi. Une machine de pénitence pour représenter un dread de corne, c'est ça? C'est ça. Ou World Eaters. Alors je me souviens, dans son message, il disait que à l'époque, il n'y avait que le dread métal en chaos, donc on était obligé de le convertir si on voulait faire autre chose. Mm-hmm. Surtout qu'il l'avait déjà, donc il fallait un deuxième pour son armée de cornes. Attends, je recherche le message. Voilà. Il le joue comme un exosquelette, en fait. Oui, c'est Adrien Ratos qui a fait ça. Machine de pénitence, tête et bras de berserk égale Dreadnought. À l'époque, il n'y avait que le vieux dread en métal pour le chaos. Il me fallait des variantes. Il y a de l'idée, non ? C'est de l'idée. C'est rigolo. Non, ça marche bien. En plus, elle a un design quand même cool, la machine de pénitence. Hein, donc ça... Ouais. On est dans le collector, là. Voilà, donc ça, je crois que ce sont d'autres de ces conversations. Non, ça c'est... Ah, attends. C'est à quelqu'un d'autre, ouais. Je retrouve le... Hop, c'est à Yeux de Crabe Olive. Ça, alors attends, il n'y a pas d'explication sur celui-là. Alors, il dit pas ce que c'est cela. Est-ce qu'il parle des autres? Non, il explique pas ce que c'est. Bon. Ah. C'est compliqué, ça. Ouais, donc voilà. Bon, bah, ça... Parce que alors, pour moi, c'est un... Il en avait parlé il y a quelques temps. Oui, ça, j'avais un, vu ça. Un Metabrutus sur base de Korgorath, de Edge of Sigmar. Ah, d'accord. Et j'aime beaucoup l'utilisation de la tête de Terminator avec des cornes. Ça, ça marche très très bien. Donc on a un truc qui est beaucoup plus mutant, démoniaque que machine, au final. On dirait une sorte de... Comment on appelle ça, déjà ? Un oblitérator géant. Plus biologique que mécanique, en fait. Ouais. Il est très bon, en tout cas. La conversion est réussie. Et là, on voit qu'on est dans de la conversion économique. Parce qu'on a... C'est des bras qu'on, je pense, n'ont pas été utilisés dans son, dans l'assemblage de son aile brute traditionnelle et récupération d'une figurine peu utile. Possible, mais je suis pas sûr que le kit ait beaucoup de rab, notamment au niveau des épaules. Je sais. T'as les différentes options d'armement. Je pense que les épaules font partie directement du bras, en fait. Je sais pas, c'est possible. Et t'as les différentes options d'armement. Soit tu mets des armes de tir, soit des armes de corps à corps. T'as le choix entre le poing ou le, l'électrofouet. Donc voilà. Ça marche bien. On l'a vu. Alors là, on est dans tout à fait autre chose. Ah, du Star Wars. Du Star Wars. X-Wing, pour être précis. Ouais. Et ça, c'est qui nous a fait ça? Alors, c'est du Scratch. C'est du Scratch. Total Scratch. Il a fallu la photo en Renoir pour m'en rendre compte. Ouais. C'est Loïc qui a fait ça. Ouais, pas mal. Voilà. Qui nous dit donc une copie en carton du VCX 100 de FFG pour le jeu X-Wing, à droite l'original. Avec l'arrivée de la V2 et les kits de conversion, j'ai de quoi jouer les deux vaisseaux comme ça. Roue de manœuvre, plaquette d'identification, carte de pilote. Il me manquait plus que la figurine. Et j'avoue que c'est bien foutu parce qu'effectivement, on voit pas trop que c'est fait en carton. Quoi. Et puis surtout, c'est des.
Quand tu achètes du X-Wing, tu achètes un vaisseau, mais tu as plusieurs cartes pour présenter différents vaisseaux. Donc si tu veux jouer plusieurs fois des vaisseaux différents, on se trouve avec des jeux de cartes totalement inutiles. Et vu que là, c'est un kit qui a des formes assez géométriques, bon après, faut vouloir se le taper la conversion. Mais c'est envisageable. Alors, donc l'idée est bonne. Quand tu achètes le vaisseau, t'as quand même la roue de manœuvre qui est en un seul exemplaire. Ça, c'est vrai. Mais avec le kit de conversion. Parce qu'avec la V2, exactement. Donc voilà, ça marche bien. C'est une super idée, t'économises 50 balles quand même. C'est clair. Alors que t'as dû racheter 50 balles de carton pour les cartes et tout, pour te mettre à jour. Voilà, donc ça, c'est vrai. Proxy ou conversion ? Là, c'est du scratch, là, carrément. Ah, on est sur du scratch, là. Scratch build. Alors. Ça, c'est un nouveau jeu de crabe. C'est sa version du Gritter Possessed. Corps de prêtre de corne, tête de wolfen, bras puppet war. Une chaîne de héros de corne, une cuillère de backpack des spécimens du chaos et un pagne orc. Bon. Ça rend bien. C'est un sacré possédé, ça. Ah, mais là. Figue est super, pleine d'agressivité. Les Gritter Possessed sont de bons persos. Toujours le thème Space Wolf du chaos. Intéressant. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, ce qu'on avait déjà vu sur le serment, là. Ouais, c'est Benjamin, si je dis pas de bêtises. Je suis nul pour les noms. Dans ce cas, on est deux. Ouais, c'est Benjamin. Voilà, donc il disait justement, lui, il voulait... en fait, il voulait peindre les loups fenriciens, donc il cherchait une bonne occasion de pouvoir les jouer, parce que c'est bien de peindre si tu peux jouer, quoi. Exact. Donc... Et là, ça rejoint clairement, c'est prendre totalement dans la même marque, mais totalement autre chose pour représenter. Là, typiquement, c'est du proxy narratif, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va utiliser le profil pour pouvoir jouer, mais ce qu'il a envie. C'est On est presque dans du Kuntaz, mais du Kuntaz voulu, pas économique, quoi, tu vois. Et j'avoue que sa recherche de dire, voilà, je sais que à Warcry, je peux jouer une bande avec un gros mec sur socle de 40 qui tire et 5 chiens. Ouais. Et voilà, et ça marche. Il a fait son mec qui tire et ses 5 chiens. C'est juste pas ceux officiels. Ouais. Mais pour moi, c'est dans un but narratif. Enfin, c'est toi qui dis narratif, mais c'est simplement dire j'ai ces figurines, j'ai envie de les jouer. Pour moi, c'est pas le prétexte économique, tu vois. Je veux représenter autre chose pour que ces figurines, parce que c'est enfin, dans son cas, c'était j'ai les figurines, j'ai envie de les jouer, donc je cherche ce qui représente le plus en termes de profil. Mais en termes de coût, ça doit être tout à fait comparable en termes de figurines à l'achat. Donc, on sait que c'est pas l'argument économique qui a primé là-dessus, quoi. Mais vraiment l'esthétique. Cool aussi de se dire, je m'affranchis de la figurine elle-même pour pouvoir trouver un truc qui me plaît à jouer, et je vais faire une bande qui me plaît visuellement. Pour correspondre au style de jeu qui me plaît à jouer. Et là, je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment on est en bien. Plein dedans, là. Pour le coup, les loups sont 5 euros plus chers que les griffins. Mais je voulais les faire. Quand on veut... Faire une figurine... Enfin, quand on veut monter et peindre une figurine pour la représenter, c'est toujours la bonne décision. Toujours. Toujours. Always. Alors ça, on retrouve encore du grotesque Drukhari. C'est Arthur qui nous a fait ça. Donc converti sur une figurine Wolfen de feu Rakam. L'idée de base, c'est d'avoir des mutants sous testostérone, un peu comme les hommes du Joker boostés au venin de Bane dans Batman Arkham Asylum. Un côté fureur bestial atrocement muté. Celui-là est peut-être le plus animal de la bande, avec des tuyaux et des tubes plantés partout dans leur corps. On voit bien le côté Frankenstein cher au tourmenteur. Pathétique expérience destinée à punir et humilier la victime. Je pense être arrivé à mon but. Et je confirme, oui.
Parce que là, franchement, elle est très très chouette. Ouais. Elle est très chouette. D'autant plus que je me rappelle des Wolfen de Rackham et leur apparence, leur tête. Et c'est vrai que tu commets juste la tête du grotesque. Et tu l'as ton grotesque, effectivement. Ça marche, quoi. Et on en revient encore une fois au grotesque. Il y a une figurine super moche. Voilà. Il faut en faire des unités, donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui convertissent pour ça. C'est une très bonne idée, les Wolfen avec le masque de Talos, comme ça. Alors ça, je crois que c'est... Qu'est-ce qui te fait rire ? Celui de gauche. C'est toujours yeux de crabe, ouais. C'est nano-robot. C'est ça. Mais ça, c'est cultiste, du coup. Donc, diverses conversions de cultistes. Voilà, maraudeur du chaos. Bah, ce qu'on disait, hein. Figurine Warhammer avec équipement Warhammer 40 000, pof. Voilà. C'est ça. Donc, ça fonctionne, hein. Bah ouais. En plus, dans une armée du chaos, tu peux tellement te permettre ce genre de choses. Hein. Ouais, j'ai une fixette sur nos robots. Oh. Alors ça, c'est Hugo oh. qui nous montre ça. J'avais pas vu ça. Et donc, il a repimpé des raiders je reconnais la figurine. Première génération. Avec du Dirt. Donc, il y a, voilà, les Némésis plastiques Dirt. Ils sont plastiques ceux-là ? Ça, c'est la version en plastique, quoi. C'est, la version, c'est pas la version métal. Ah, c'est super ça. La version métal a la bouche fermée en fait. Non, en plus il a la bouche ouverte. Il y en a deux. Non, Nemesis, il y en a qu'un. C'est l'aberration qu'on a deux. C'est possible. Enfin, quand même, quatre têtes. Je suis pas un grand spécialiste en cam. Moi, oui. En dire sous. Donc, oui. Je ne m'avance pas. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Donc, voilà. Je vais me taire. Et du coup, à l'avant, c'est la figurine, je sais plus comment s'appelle, la prêtresse. Enfin voilà, c'est aussi une figurine d'Irs en plastique. Et donc, il a customisé le raider à la place du pilote. Il a mis une cuve de produits chimiques avec des câbles qui partent dans tous les sens. Voilà, qui est pour son thème tourmenteur. Cuve de Coca-Cola. Et c'est vraiment un raider, quoi. C'est, Ah oui, c'est un raider. Et en fait, pour représenter les mecs transportés, c'est dans sa cuve, quoi. C'est quoi les... Non, la cuve, en fait, c'est à la place du pilote. Normalement, t'as un pilote qui d'accord. Est là-haut. Ah oui, mais là, c'était vraiment, il a poussé le délire à fond, quoi, genre... Ouais, ouais, bah... Là, c'est... Il prend la figurine, il avait pas besoin de la convertir. Il avait pas besoin, c'est pour le kiff. Mais c'est pour le kiff, quoi. Là, on est vraiment dans le... L'habillage esthétique, et le proxy, ouais, c'est le fait qu'il ait rajouté une figurine d'une autre gamme, le Nemesis, en plein milieu, là. Ouais. On en verra d'autres, hein, toute son armée sur thème... et sur thème Dirs, comme ça. Punaise, si le reste de l'armée est sur ce thème-là, ouais, j'ai hâte de voir ça. Hein. Alors, ça, c'est encore Jeu de Crabe, je crois... Avec un Gorgon Edge of Sigmar homme bête converti pour faire un Defiler. Ah, punaise. On retrouve la pince, il y a les canons, la bouche pour faire l'obusier. Ouais. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, quoi. Il a utilisé ouais, un ogre, en fait. Non, c'est un Saigor. Saigor. C'est le géant homme bête. D'accord. Bah ça marche en fait. On s'en rend bien. Alors qu'est-ce qui se passe dans le chat pour ce temps ? C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais on n'a pas lu le chat. On va peut-être remonter plus haut parce que ça... On dit pas c'est moche, on dit j'aime pas parce que c'est moche. D'Asiatis, il y en a deux qui sont en métal. Alors là, c'était clairement un Némésis, hein. C'était pas un D'Asiatis. Super idée, la Gorgone, là encore. Oui, ça Gorgone. Donc là, toujours Yeux de Crabe qui a des hommes bêtes de 40K. Alors, savoir que 40K, dans l'univers, il y a des hommes bêtes. Hein. Ils sont pas forcément chaotiques. Depuis le tout début, ouais. Et donc là, il les a fait, alors il dit qu'il les joue, en cultiste, pareil pour son armée chaos. C'est pas bête, ça. Voilà. Parce que ça fonctionne très très bien.
Impeccable. Et là... Oh. Alors ça, c'est encore de la conversion narrative. C'est encore notre ami Benjamin qui a fait ça. Pour faire sa bande Warcry. Je cherche hein, pour... J'aime bien comme ça le avant-après. Il a utilisé des maraudeurs, c'est ça pour, ou des... Alors pas seulement, ce sont des figurines Edge of Sigmar de Korn. Donc il y a des Blood River, des Blood Warrior. Bon, c'est les figurines qu'il y a dans la boîte de base, hein, dans la première boîte de base. Je suis en train de rechercher le message hein, où il explique tout ça. Oui, donc c'est bien Benjamin. Alors, figurines et pièces d'origine, section de figurines de Mortel de Korn à Edge of Sigmar, allant du Blood River de base au Blood Warrior, en passant par le Bloodstalker et le Mighty Lord of Korn avec son Flesh Hound. Profil de jeu censé représenter une des Warbands du Chaos de base Warcry, les Untamed Best, avec chacun des positionnels d'origine représentés. 3 Blood River avec 2 armes de CAC, Kuntas des 3 Planeswalkers. Donc, on a les 3 River qui sont là. Ce sont les trois mecs qui sont là. Un Chieftain hache à deux mains et un Blood River converti avec une épée d'ogre en contas des deux Prey Taker. Donc il y a lui qui effectivement a une grosse épée et lui qui a une hache qui correspond avec le mec à la hache à la grosse épée. Il y a le fouet. Il y a le Bloodstalker avec son fouet en contas du Beast Picker. Voilà, on retrouve bien. Un Blood Warrior converti avec un harpon maison en Kuntas de First Fang. Alors c'est lui qui doit avoir maison, le... je suppose. Ah oui, qui dépasse là derrière, Le harpon est là pour faire lui. Et le Mighty Lord hein, pour faire le chef de l'unité. Bah, ça marche super bien. Puis pareil, à la place d'une espèce de loup, là, ça marche bien. Et du coup, les proportions, pourquoi ce choix Les Blade of Korn étant une de mes armées principales à AOS. Et les Untamed Beast étant ma Warband du Chaos de base préférée à Warcry, j'avais envie de me faire une bande proxy unique pour être sûr lors des rencontres pour jouer de ne pas tomber sur la même équipe jumelle en face si je devais affronter un autre joueur Untamed Beast. En plus, ayant récupéré plusieurs fois le contenu du starter V1 AOS, j'ai plusieurs fois en double certaines figurines que je ne jouais pas à AOS, surtout pour certains leaders comme le Mighty Lord of Korn, donc autant le rentabiliser ailleurs. Au final, la bande est assez lisible, hormis peut-être les Pre-Takers, à mieux différencier des Planeswalkers, vu que ce sont tous des Blood River avec des peintures tribales sur le torse, maybe. Et elle est parfaite pour y incorporer en mercenaire un Slaughter Priest à la place des deux Pre-Takers qui va comme un gant. Ouais, donc c'est chouette, c'est là. C'est chouette, vraiment bien. Et en plus, là, il n'y a pas de doute à avoir sur le... Sur qui est quoi. Sur qui est quoi, l'équipement est cohérent. Il n'y a pas de... Non, c'est chouette. Là, c'est encore yeux de crabe avec ses Space Marine, ses Space Wolf du chaos. Donc là, voilà, bah, il mixe des pièces Space Wolf et Space Marine du Chaos pour obtenir ce rendu. Donc une armée entière comme ça doit être vraiment hyper, hyper personnel, c'est vraiment chouette. Ouais, et puis là, on est vraiment sur un rendu unique, quoi. Bah, c'est ça, puis quand c'est ton chef, quoi, c'est ton chef, quoi. Voilà, c'est... Il est que à toi, voire il te représente sur le champ de bataille, tu vois. Alors, on est sur les conversions de Loïc. Alors. C'est du proxy pur et dur, là. Là, c'est du gros proxy. J'avoue que, moi, c'est le moment où je commence à plus être tout à fait d'accord. C'est-à-dire que là, il utilise une monture de Nazgûl du Seigneur des Anneaux pour représenter un monde ghoul, donc qu'on voit sur le côté. Mmh. Alors ça, le montage avec l'original et tout à côté, c'est génial pour pouvoir faire le comparatif. Alors je trouve qu'on est un peu éloigné de l'idée de la figurine, pour le coup. Voilà. C'est, à mon avis, c'est fait pour représenter une figurine en termes de jeu, quoi. On n'est pas... Je pense pas qu'il y ait une recherche...
Enfin, je sais pas s'il a acheté un Nazgûl pour se... Enfin, une figurine de Nazgûl pour présenter le Bandgul, quoi. Que je trouve... Bon, pour la... Je l'ai pas vu en vrai, mais en images et photos, cette figurine est effrayante et magnifique. Je crois que c'est la figue la plus glauque que Games Workshop ait faite. À mes yeux. Non, je pense que là, on est vraiment... Bon, là, c'est du Forge World, mais là, de toute la gamme Forge World, pourtant, ils ont fait des trucs crades, mais celui-là, il fait flipper, quoi. Ouais. Avec la bouche distendue, le... Non, ça fait vraiment flipper, quoi. Donc, ouais, c'est... Là, par exemple, si j'avais l'occasion de jouer une figurine comme ça, je prendrais la figurine existante, parce qu'elle est juste top, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais il dit que, justement, bah, comme c'est plutôt difficile à obtenir, vu que c'est du Forge World et que c'est très cher, ouais, il a préféré partir sur ça. Alors, je ne sais pas, il faudrait voir le reste de l'armée, voir si cette figurine s'intègre bien, si effectivement, au niveau de la thématique, on est plus visuel dedans. Aussi. Pourquoi pas ? J'avoue que je trouve ça très éloigné du concept. Quoi. Donc à voir. Mais surtout, il soulève un point très intéressant, c'est que du coup, en faisant ça, il a une figurine qui est jouable pour plusieurs jeux. Mmh. Voilà, qui a pas utilisé dans autre chose. Hein. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. La place, c'est important. Bah, la place, et puis le fait qu'on joue à plusieurs jeux. Donc c'est vrai qu'une figurine, tu passes du temps à la convertir, à la peindre. Ouais. Voilà, si tu peux ensuite la rentabiliser en jouant, oui, dans plusieurs systèmes de jeux différents, c'est plus sympa, quoi. Il n'y a quasiment rien en commun, là, non ? Il faut voir si le Mourngul vole. Non. Moi, ça passe. Je crois que le Mourngul vole, parce que toute l'armée Nighthaunt vole. Mais c'est, le Mourngul, c'était avant que le... La vie existait mais en fait, avant, mais pour mais moi, elle voulait pas se figurer. Il a gagné le mot-clé Nighthaunt, en fait, quand les Nighthaunt sont sortis, et je crois qu'il vole. Ce serait à vérifier. D'accord. Parce que moi, c'était des créatures des montagnes, en fait, qui... Enfin, chassaient dans les montagnes et qui se nourrissaient de... des voyageurs... On nous confirme, oui, elle vole. D'accord. Voilà. Mais à voir, oui, avec le reste de l'armée, en fait. C'est ça. On verra d'autres figurines de Loïc après. Je suis désolé, c'est un peu en désordre, mais j'ai pas eu trop de temps pour tout trier. Mais c'est arrivé sur la fin, parce que j'étais il y a encore quelques jours. Il y a quelques jours, il y avait quasiment pas de photos. Ouais, hein, ouais. Tout est arrivé entre hier et ce soir. Ça, c'est une armée aussi de Loïc, je crois, qui avait pour but, donc c'est pour 9e âge. Et son but était de faire une armée homme-bête sur le thème gaulois. Et on retrouve du coup les chars. Voilà, donc des chars qu'il a fabriqués en carton et en bois, en choses comme ça. En balsa, je suppose. Voilà, en récupérant des sangliers. À la fois figurines. Games, des anciennes figurines Games. Là, c'est tous des Games, milieu. Je crois. Ceux-là, c'est des vieux sangliers de Games. Ceux de gauche et de droite sont des sangliers de. C'est sangliers Games Orc qui sont assez récents. Ah, ils ont cette tranche-là. Ouais, qui sont sortis juste avant le passage à AOS, je crois. D'accord. Voilà, et là, il a des gros mots. Je sais même pas de quelle gamme ça sort. Ça. Très sympa. Bon, là, on n'est clairement pas dans du Games, celui-là. Hein ? Celui-là, c'est pas du ça, Games. Ça, c'est pas du Games. Non, clairement pas. Ça non plus, ça, je crois que c'est du Mantique. Une espèce de créature des marais, golem de racines. Rentabiliser une figurine. On est figuriniste, les gars, soyez sérieux, 2 minutes. Pas mal ces fumeurs de Gauloise. Voilà. Ça, c'est chouette. Parce que là, bon, il y a du scratch, encore une fois. Il construit de toutes pièces certains éléments. Il y a aussi un espèce de code qui s'établit dans son propre choix des figurines. C'est-à-dire qu'il explique qu'il a des chars à sangliers. Il va voir, ça va être les vieilles figurines de sangliers qui sont tout petits. Il en a 2 par socle. Ouais. Et il a les chars à Razordon. Ouais. Et les Razordons, du coup, sont plus gros, et il y en a un seul par socle. Comme ça, tu fais la différence, en fait, entre un char à sanglier et un char à Razordon. D'accord. Tout simplement. Donc, il y a, comme ça, cette espèce d'éthique. Ouais, voilà, visuel. T'as pas de doute sur ce que ça représente, quoi. Il n'y a pas de doute, voilà. Tu poses la question une fois, mais une fois que t'as la réponse, tu le sais. S'il y a un doute, t'as un élément de comparaison. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est chouette. On va pas se mentir, même avec la meilleure volonté du monde, des fois, les proxys, tu es obligé de dire à ton adversaire, voilà...
ça, c'est cette figurine représente ça. Ouais. Mais une fois que tu lui as dit, normalement, il a enregistré. Normalement, c'est bon. Voilà, mais il faut. Ah, il nous explique ça, c'est le corps d'un géant, une tête de sanglier et resculpte en milliput pour. Ah, mais oui, d'accord, j'avais pas lu la tête comme ça. Je croyais que c'était ça son œil. En fait, son oreille. Tu vois, c'est une tête des sangliers qui sont là. Mais le corps, c'est un. Ah, mais oui, c'est un géant Warhammer. Le corps. Lequel, mais c'est un vieux alors. Parce que ouais, ouais. On parle très vieux là parce que. Ouais, je pense que c'est tout resculpté à partir d'ici en fait. Tu vois. Ouais. Toute cette zone-là est resculptée. Aspect vaseux. Vas-y, sois. Voilà. C'est moi l'allergie. Ah, mais aujourd'hui j'ai une crise déjà cet après-midi. Là. Ah ouais. Là, on revient sur, voilà. Sur yeux de crabe. Donc voilà, avec le Defiler converti qui est peint. Ah bah oui, bah là, Et son Metabrutus. Bah oui, avec la peinture, ouais, ça rend encore mieux. Ouais. Ouais. Je kiffe son Metabrutus. Nul chouette. Hein. Ça envoie. Hein. Cet aspect biomécanique là est vraiment, vraiment top. On peut poser une question une fois sur 1000 proxys, mais on peut pas poser 1000 fois un proxy pour une question, ou un truc du genre. Alors, ben on revient avec les figurines de Minus. Donc là, ce sont des aberrations, aberrations prime, ouais, c'est ça. De confrontation. Donc il joue en tant que Talos. Que Talos. Pour le coup. Ah ouais, ouais. Donc, ouais, donc il a pas gardé le côté volant du ouais. Talos pour le coup, côté antigrave. Mm-hmm. Il voulait rester comme ça sur des bestioles. Donc comme ils sont clairement plus gros que les d'Asiatis, Nemesis et compagnie, il joue vraiment en Talos et les autres il va les jouer en tant que grotesque. Et donc comme c'est deux fois la même figurine, il a modifié la pose pour que la deuxième soit debout. Ah, c'est d'accord, ouais. Elle se tient... Ouais, normalement, elle se tient comme ça. Et du coup, il a modifié les jambes pour qu'elle se tienne debout. Ah oui, d'accord. Oh, c'est super, ça. Mais, alors moi, ce qui me gêne dans cette conversion, c'est que du coup, il lui manque son arme de tir. Parce que je crois qu'il a forcément une arme de tir. Il a deux armes de corps à corps et une arme de tir. Et là, il manque l'arme de tir. Après, moi, je suis pas regardant. Si je veux affronter ça, moi, tant qu'il me dit quelles sont les armes de tir, pas de souci. Ouais, mais tu vois, pour moi, du proxy, faut que le minimum, c'est que les aimants soient représentés. Pas forcément que ce soit les trucs officiels, ouais. Mais tu vois, c'est juste en termes de jeu. Il manque quelque chose sur la figurine pour dire qu'elle est capable de tirer. Si je tirais par les cheveux, je dirais que ça pourrait être dans sa mâchoire. Ouais. Mais c'est peut-être moi qui suis très... Ouais. Quand je vois une fille comme ça, réalisée comme ça... Thomas nous dit, il tire avec ses yeux. Voilà. Là, on a encore des conversions de Loïc. Alors Loïc, je trouve ça génial. C'est peut-être le genre de truc qui pourrait me réconcilier avec de l'historique. Loïc, il convertit de l'historique pour faire de l'Uchronique, voire de la SF. Oh, d'accord, oui. Donc on est sur des cavaliers napoléoniens, où il a changé les têtes pour leur ajouter un masque à gaz, et il a sculpté aussi, des masques à gaz sur les chevaux, pour faire de l'Uchronique, quoi. Et du coup, tu vois, le cavalier napoléonien avec à côté un char... et il joue ça avec une règle de jeu historique, et ça passe super bien. Il a tout plein de conversions comme ça, on va les voir au fil de la soirée. C'est top ça. D'un point de vue historique, je sais qu'ils ont mis des masques à gaz aux chevaux, mais je sais pas si ça marchait bien. Parce que ce mine de rien, c'est déjà pas évident. Porter un masque à gaz, alors porter ça à un animal. Tiens, ça c'est encore Adrien qui nous dit dans l'histoire, Marnus Calgar a volé les gantelets sur le corps d'un seigneur du chaos. C'est vrai. Donc il a pris la figurine de Marnus Calgar qu'il a converti pour faire un seigneur du chaos. Je trouve ça super comme idée. Non, l'idée est très bonne. Mais il me semble que c'est d'ailleurs Robert Guilliman qui avait vaincu un champion du chaos. Pas Calgar. Mais c'est du détail. Oui, ouais, on s'en fout. Mais c'est effectivement un champion de corde d'ailleurs. Ouais. Donc c'est bien vu. Effectivement, l'origine des gantelets du Tramar, c'est ça.
C'est chouette, c'est une super idée. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement. Bah là, on est dans du... J'aime bien parce que c'est de la conversion historique un peu. Ouais. C'est un élément de l'histoire de Warhammer qui n'existe pas en figurine parce que c'est passé il y a longtemps et c'est vraiment un détail parmi tout ce qui se passe dans l'univers. Les nouveaux, nous, ils ne connaissent pas forcément. C'est dans les codex V2, V3, t'avais ce... Et là, c'est presque de la méta-conversion, tu vois. C'est de la conversion. Le fait que ce soit la figurine de Khalgar qui serve sur base de cette conversion fait partie de l'histoire, tu vois. Ouais. C'est très, très drôle. C'est, je présenterai après, j'ai une figurine convertie. Je me suis amusé à convertir un seigneur de Nurgle en armure Terminator sur base d'un seigneur Deathwing de comment ça s'appelle la boîte, Dark Vengeance. Ouais. Donc à prendre le Dark Angel, tu vois, le truc loyaliste. Ah, d'accord. Pour en faire un chaotique, voilà, ça m'a fait marrer. Et j'avais un pote qui jouait Dark Angel et quand je lui ai... En fait, il me disait, tu veux pas me revendre la partie Dark Angel de la boîte? Je fais, non, t'inquiète, je vais m'en servir. Quand il a vu ça, il était deg. Tu es le diable. Revoilà encore Loïc avec ses cartons. Ah bah oui, cartons. Un autre scalp. Ouais. Bon, là, on voit que c'est un peu plus... Ça se voit un peu plus. Hein. Ça manque un petit peu de détails sur les ailes, même s'il y a un effort sur la peinture, du coup. Mais c'est vrai Il y a un effet de pochoir que tu disais, là, pour la peinture. Ouais. Ça manque un petit peu de détails sur les ailes, ouais. Sinon la conversion passerait hyper bien. Mais le sujet, c'était mettez vos proxys. Ouais. Puis ça reste X-Wing. Hein. Le but, c'est de faire des manœuvres avec ces petits cadrans de vaisseau. Et... De toute façon, la plupart des joueurs, à un moment de la partie, ils virent les vaisseaux des socs parce que ça les gêne. Faut dire que des fois, certains vaisseaux, tu dis punaise, les gars, vous abusez un peu, quoi. Ça, c'est toujours à ah bah là c'est la version peinte là. Version peinte. Ouais, bien faite en plus. C'est chouette hein, ça rend vachement bien. C'est vrai que cette peau rouge avec les poils blancs là, ça rend vachement bien. Vraiment super. Ça fait un très... Ça fait penser au jeu vidéo Azura's Wrath. Ouais, exactement. Ça me fait penser à... comment il s'appelle l'autre barbu. C'est... Ouais, ça me fait penser à ça en fait. Ça rend super bien. C'est chaotique les Dark Angels, 50-50 les Dark Angels. Ouais, Space Wolf aussi, c'est chaotique apparemment. La seule boîte biarmée, tu peux tout jouer dans ton armée de Space Magic. Ça. Comme ça, à coup. Alors, ça aussi. Je crois que c'est encore Benjamin. Chips, c'est sévère. Comment ça, sa mère? Quoi? Attends, je vérifie, mais il me semble que c'est Benjamin, c'est à nouveau. Ouais, c'est ça. Alors, les figurines ou les pièces d'origine des scouts, des Space Marines classiques, dont un sergent de Dark Vengeance, justement. Mmh. Un Terminator sergent de Dark Vengeance, des bits de vétérans de Dark Angel et de Terminator. Paladin, Grey Knight pour les épées, bâtons, certaines têtes, des bits de gardes impériaux pour les scouts, têtes, casques, radio pour symboliser le Brycorn ou Spécor. Le profil de jeu censé représenter une kill team Thousand Sun de 200 points avec un commandeur Shaman Sangor sur disque, volant, spé, psyker, faire une convertie de scout avec bâton de force et réacteur dorsaux. Voilà, donc j'aime bien, il a bien fait la présentation, tu vois, de qui est quoi. Un Scarab Occult Gunner Spé appui lourd avec canon Soul Reaper et lance-missile dorsal. Bon bah là on a tout hein. Ouais. On a la totale avec le Terminator de Dark Vengeance, un aspirant sorcier Spé Leader avec bâton de force, sergent Space Marine Dark Vengeance avec la Vouge Grey Knight. Ouais. Ouais, mais ça marche bien. Ouais, c'est une super bonne idée je trouve hein. Un Twist Breath Spé Combat, sergent scout avec épée à deux mains. Un Tsangor avec Brycorn Spé Communication, le scout avec la radio garde impériale. 5 Tsangor avec deux lames, les scouts avec épée et couteau. Pourquoi ce choix? Ayant été attiré par 40K grâce à la série de jeux vidéo Dawn of War, j'ai toujours eu envie de faire un projet en hommage à ce jeu. Jusqu'à présent, étant joueur Dark Angel, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir jouer à 40K, car flemme de faire une seconde armée Space Marine, et Dark Angel étant mes Space Marines du cœur... Le choix était vite fait.
Avec l'arrivée de Kill Team, l'opportunité s'est faite à moi de pouvoir enfin en faire. Sauf que deux choix de figure s'offraient à moi, soit faire une Kill Team de Space Marine classique, soit faire du proxy avec une autre bande dispo. Jouer des Space Marine classiques, en vérité, j'avais déjà tout ce qu'il faut dans mon armée 44 Dark Angel. Pour faire une team, ça aurait vraiment fait doublon de refaire d'autres Space Marine à côté, en suivant des règles codex. Je me suis alors penché sur le fluff des Blood Raven. On y découvre que c'est un chapitre à Primark inconnu, ayant une prépondérance de Psyker dans leur rang, étant de véritables chasseurs de reliques. On y arrive. N'hésitant pas à en voler à leurs alliés s'ils en ont le besoin. C'est là que le profil Taz Johnson est venu à moi, comme une évidence, car selon moi, il y aurait moyen qu'ils soient les descendants de la Légion de Magnus, vu leur nombre de Psyker et les couleurs d'armure rouge rappelant celles d'origine de la Légion Taz Johnson. De plus, légitimement, je pouvais équiper ma bande avec des armes et équipements venant d'autres armées, comme des armes énergétiques des Grey Knights empruntées. La réalisation la plus dure étant de faire correspondre le profil de Tsangor au Space Marine, c'est pour ça que je suis parti sur les scouts. Étant équipé d'armures légères, c'était plus facile pour différencier des Space Marines. Pour le chaman, la figurine est plus complexe à faire. Je me suis dit dans l'histoire de ma bande que c'était un Librarian qui n'était pas un fervent défenseur du Codex Space Marine et donc décidé d'adapter ses techniques de combat et sa bande à la situation de ses opérations, préférant l'armure scout pour la mobilité pour les membres plutôt que corps à corps de sa team. On peut imaginer qu'il soit plutôt borderline dans sa quête de savoir et que ceci risquerait de l'emmener lui et ses frères sur la voie du chaos dans un avenir plus ou moins proche. Après tout, ce serait pas le premier des Blood Raven à succomber à l'attrait de Tsinch. Et je confirme que vu les gros clins d'œil qui sont faits, les Blood Raven sont clairement des... Même au niveau de certains romans, il y a des allusions à ça. En plus avec leur... effectivement, je me demandais pourquoi utiliser des Marines sans proxy avec des Psyker pour représenter des Thousand Sons équivalents. Et là, tu me dis Blood Raven, je dis... Ouais, d'accord. Je valide l'idée. L'idée est bonne. Alors, c'est très bien trouvé, car effectivement, c'est confirmé dans un White Dwarf que le Primarch des Blood Raven serait Magnus. C'est même quasi officiel que les Raven soient des Thousand Sons. C'est pas de par plusieurs choses, de par leur attrait, par le savoir, la propension de Psyker, le savoir c'est le pouvoir, puis même le fait simplement même qu'ils aient que leur Psyker est, bah même dans le passé, ils ont déjà eu des maîtres de chapitre Psyker. Il normalement ne se fait pas. Et entre autres, mais il y a vraiment beaucoup trop d'allusions, beaucoup trop de concordances qui font que oui, c'est... En plus, avec leur primarque perdu, les archives effacées... j'avoue, je kiffe les Blood Ravens. C'est celui-là qui m'a servi de... Ouais. Oh, punaise. Ah oui, tu l'as bien charcuté. Ah, je peux voir ça. On montrera après. Ah, tu m'étonnes. Alors... Tu l'es dégoûté. Là, on a une autre figurine de Minus, qui est un sorcier du clan Eshin Skaven pour Mordheim, avec quasiment que des pièces venant de la boîte Skaven qui était dans Mordheim, plus une tête de flagellant de l'Empire, avec les flammes, et un crâne pour lui mettre dans la main. Et le petit rat aussi, qui n'est pas sur la grappe, je crois. Voilà. Et la raison principale de ce proxy conversion, c'est qu'il voulait avoir une bande entièrement en plastique, et que le sorcier était en métal. En plus pour Mordheim, c'est pas déconnant parce que c'est pas déconnant. Vu que tu dois monter dans des bâtiments et que tout peut se casser la gueule très facilement, figurine en métal, excellent la conversion. Métal qui était dégoûté, tu l'as tellement charcuté. On montrera ça après. Non mais voilà, et ça je trouve que c'est presque la meilleure des raisons. Et là la figurine, il n'y a aucun doute quoi. Tu vois, c'est un sorcier. Il a la dégaine d'un sorcier quoi. Avec son petit bâton, avec ses flammes bleues, là, son crâne dans la main, oui, c'est... Surtout pour Mordheim, t'es pas obligé de pousser l'aspect grandiloquent du sorcier, quoi, tu peux rester sur des... Bah c'est un peu pouilleux, c'est pas... Le sorcier de ta bande, c'est pas un méga magicien, hein, c'est un apprenti, à la limite. C'est pas le mec, flamboyant, visuellement. Donc voilà, mais ça fonctionne très très bien. C'est un autre proxy. Alors là, c'est pour du Eden. Et là, on est dans du pur proxy. C'est une figurine de Warforge, je crois. Attends, je vais reprendre le Facebook pour avoir pour pas me tromper de marque de figurine. Figurine Warforge qu'il utilise en fait pour jouer le profil de Kate.
D'accord. Parce qu'effectivement, on avait discuté qu'elle ne lui plaisait pas trop. C'est dans la faction Résistance, donc c'est une faction qui a beaucoup de technologie. Mm-hmm. Et Kate, c'est un personnage qui va avoir un lance-grenade, en fait. Et donc mm-hmm. là, elle a un micro-lance-missile inséré dans le bras bionique. Donc c'est parfaitement dans l'esprit de la Résistance. Voilà. Voilà. Et donc, il ne l'a pas modifié, il l'a posé telle qu'elle, il la joue à la place de jouer la fiente de Kate. Et c'est bien parce qu'effectivement, ça va pas poser de problème au cours de la partie parce que voilà, t'es là, tu vas te dire, Kate, c'est la nana qui a un lance-missile, enfin qui a un lance-grenade. Ouais. Bon, bah, je joue elle à la place, voilà, elle s'appelle Kate. Et voilà. Ouais. Suffisamment bourré de bionique pour qu'on comprenne que c'est les ça. Armes intégrées. Ça marche bien. Ça, c'est la figurine de Côté Mendo. Ouais. Qui nous dit, donc à la base, en fait, c'est une fiole qu'il a acheté, c'est une fiole d'alchimiste, donc qui dans la main tenait une fiole. Mmh. Et du coup, il a, à la demande de son ami pour qui il a fait la fiole, c'est des personnages de jeux de rôle de sa campagne qu'il est en train de faire, il a enlevé la fiole et à la place, il a mis un bouclier. Mmh. Il a limé et tout pour qu'il soit lisse, pour faire un friand dessus, quoi. Donc, voilà. Et donc, ça représente le prêtre de leur bande. Donc là, bah voilà, petite conversion pour correspondre à l'esprit de. Et là, c'est pour un jeu de rôle. Donc là, dans ce cas présent, c'est une figurine qui est sortie de son contexte, mais pas pour un jeu de figurine. Donc est-ce qu'on peut encore parler de proxy à ce niveau-là? Ah, bah alors là. Parce que moi, j'ai déjà fait aussi des figurines pour mes joueurs à Night, donc. Je ne considère pas ça comme des proxys sur le bas d'Infinity, mais. C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il y a un sens d'appeler ça des proxys s'il n'y a pas de marque dédiée? Qu'il n'y a pas une figurine propriétaire en fait dans l'histoire. C'est surtout que l'usage final n'est pas pour un enfin là ce titre serait pour un jeu vu que mais ce serait du jeu de rôle. C'est vrai que c'est un peu particulier. Moi dans le cas présent c'est plutôt des figurines d'exposition pour mes joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? C'est dommage, il fait vraiment prêtre. Bah, c'est un prêtre, en fait. Oui. C'est un prêtre, donc il a les fioles de potions, les trucs comme ça. Et le bouclier avec le symbole de son dieu. Bah là, on est à nouveau sur les figurines de Loïc, si je dis pas de bêtises. Ça donc peut. Alors, c'était très bien de faire un montage, par contre, la compression Facebook. Ouais, là, ça pique. Hein. Donc c'est, il nous avait déjà montré plusieurs de ses figurines, des Anglais façon Jinro un peu. D'accord. Voilà. Donc c'est une armée historique qui joue. Alors je sais plus pour quel jeu il les joue, mais qui les joue pour. C'est un jeu historique. Et en fait, il convertit toutes ses figurines en mode un peu uchronique. Bah là, tu vois, t'as des carabiniers avec des têtes napoléoniennes avec un masque à gaz. Voilà. Ah c'est très sympa. Bah là, c'est vrai que. Moi, ça me donne envie de faire de l'historique quand je vois ça. Bah, l'Uchronie, hein. Bah, l'Uchronie permet une forme de liberté que t'as pas avec l'historique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être Bolt Action, ouais. Oui, ce serait pas improbable, ouais. C'est vrai que. Moi, je vois ça, je suis presque en train de me dire comment je vais faire les miens. Alors, je vais me mettre à Bolt Action. Ah, voilà. Ils ont réussi à le faire craquer pour Bolt Action, quoi. On retombe dans les Zelda noirs de Minus avec les figurines confrontation. Cela, c'était sur un plastique prépeint. Voilà, qu'il a donc customisé pour faire les Vrax, qui n'existaient pas en figurine au moment de la sortie du codex. Et moi aussi, j'avais fait des conversions à l'époque sur base de figurines Dirtz, mais c'était sur les figurines métal, moi, que j'avais. Voilà, et ça marche super bien. Et donc là, il nous explique que c'est des herbes à l'étrier, en fait, qui sont comme ça dans la boîte, sauf qu'en fait, ils ont un arc, en fait, sur le poing. D'accord. Et il a juste coupé, en fait, tac, les deux côtés de l'arc. Et ce qui sert normalement d'arbalète, en fait, lui, il le joue comme un injecteur. Donc, c'est comme si le mec, il s'injectait du poison dans leur cible. On se fait des armes de corps à corps empoisonnées. D'accord. Ça fonctionne très, très bien. Là, ouais. Et l'unité est super. Non, et pareil, on te pose ça sur la table. À aucun moment, tu vas dire, est-ce que c'est des kabbalites? Est-ce que c'est des witch? Non.
tu comprends très facilement que ce sont avec des la peau apparente, le code ouais. couleur, le fait qu'ils aient des lames au bout des doigts, c'est... Ça, là, pour moi, on est dans le proxy réussi, quoi. C'est, ah ouais, tu vois le... Tu dis, ok, tu sais ce que c'est. Ça marche très très bien. Je me demande s'il y a des Eldar dans son armée. C'est une bonne question. Bon, pour l'instant, il n'y a que les... Alors, je sais pas s'il fait que des homunculis, là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Homunculus. Ben, on va voir. Mais je crois qu'il a principalement fait ça. Là. Parce que s'il y a que des homunculis, il n'y aura pas de cavalier. Donc, effectivement, il est possible qu'il n'y ait que... Bon, on sait au moins que le Rider est Games Workshop. Vieux Rider, mais ouais. Games Workshop. Bah ça, c'est une autre figurine Dominus pour les Ascari. C'est le personnage Fahim. En fait, il a changé son bras où il tenait un fouet pour mettre une main vide. Et la tête, c'est la sienne. C'est celle de Minus. D'accord. Pour le jeu. D'accord. Quand on a fait la campagne Burnout, en fait, on a eu nos têtes qui ont été modélisées pour Eden. Donc voilà, voilà sa tête, qui est très ressemblante, qui met sur ses figurines. Puis sur le chef de sa bande, quoi. Tu vois, pas sur un petit truc de merde, hein, tu vois. En même temps. En même temps. T'as le luxe de t'avoir ta propre tête, quoi, conçue. On va pas se priver. Moi, je mettrais la sienne sur un gnoblar. Il te rendra la politesse. Les alchimistes de Dire sont proxy Eldar Noir, ça le fait bien. Ouais. Mmh. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais. Bah là, on a encore de l'Uchronie de Loïc. Mmh. Et là, j'adore. Ça, pour moi, là j'ai envie de jouer à l'historique. Parce que là, donc, il a ses gardes, ses soldats anglais, ouais. Donc ils font très... Jinro, là, effectivement. Jinro avec les masques à gaz. Et encore, quand tu regardes, non, ça fait pas Jinro, en plus, dans le design. Ça l'évoque. L'idée du casque masque à gaz, un peu ouais. Deuxième guerre mondiale, première, deuxième guerre mondiale, ça, c'est très Jinro dans l'esprit, mais pas physiquement, en fait. Non, il y a des différences. Les yeux ne sont pas rouges, alors que là, ils sont verts. Mais il y a ce côté inquiétant, design, c'est-à-dire c'est très impersonnel. T'as juste le masque, le casque, c'est très intimidant. Et j'adore le sergent d'unité qui est un civil. Tu vois, le mec avec son parapluie, excellent. Et le Dalek pour faire la mitrailleuse de l'unité. Arme spéciale. Mais au moins, tu l'identifies tout de suite. T'as tes troufions, t'as ton sergent et ton arme spéciale. C'est génial. Et là, c'est so British. C'est vrai qu'il y a un côté très British là-dessus. Ah là, moi, je suis complètement fan de l'idée de cette unité, quoi. C'est tellement... C'est pas le sergent, c'est le docteur. Ah oui. On disait du desert punk. Ah oui, my mummy. Oui, complètement. J'attends ça, PG. T'attends quoi ? Ah, que je me mette à de l'historique ? Oh merde. Exterminate. Tellement d'histoires dans cette bande. Tu as lâché du lest. Qui t'aura l'œil maintenant ? Ça me donne envie de faire un Earl Grey, là. Mais ouais, là, c'est... Et là, je trouve que... Tu vois, quand on parle de proxy et de cohérence, là, le fait d'avoir des représentations différentes pour les armes... Mm. Ça marche tellement bien. Et en termes de narration, pareil, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Ouais, j'adore. Je vais commencer. Ça y est. Ouais. Vous nous l'avez lancé. Ouais. Bah, si j'avais le temps de faire des trucs comme ça. Tu fais on va retourner sur des conversions de Benjamin. Donc, pour faire des cultistes du chaos, il part sur des flagellants. Impériaux, il rajoute des armes de corps à corps et ça marche, mais ça marche super bien. Ils sont déjà suffisamment inquiétants, les flagellants, c'est déjà. C'est ça. Suffisamment glauque. Lui, avec sa cache sur la tête, là. Tu rajoutes des symboles du chaos et c'est bon, tu as des cultistes. C'est moi, ils sont courts sur pattes, ces gens-là. Peut-être, ouais. Les filles sont assez vieillottes quand même, donc peut-être qu'il y a des. Mais voilà, bah encore une fois, ouais. Même symbole chaotique, à la limite, t'en as pas besoin tellement ils sont déjà glauques. Oui, c'est... Ouais. Tu sais, tu le peins en freehand sur une épaule, sur un entre-eux, hop, ça suffit quoi.
Moi, je le ferais même pas. C'est comme si c'était des mecs qui vouaient un culte à une entité. Mmh. Ils savent pas trop. Enfin, ils lui ont donné un nom, mais ils savent pas que c'est le chaos, tu vois. Ouais. Genre, en plus, ils sont persuadés d'être du bon côté. Ah, bah, c'est toujours comme ça. Nous sommes les gentils, nous censurons. Hmm. Alors là. Alors, ça, c'est une conversion de Loïc qui date d'il y a un moment. C'est l'ancien carrosse noir. Ouais. Et il a changé l'attelage par l'attelage de la machine Mortis. D'accord. Pour donner un effet plus fantomatique et tout. Et depuis, le nouveau carrosse noir est sorti. Ouais. Et il est dans ce design-là. Exactement. Et ça, c'est fort. Ouais. En plus, c'est le sien, quoi. Il n'y en a pas deux comme ça. Mmh. C'est un petit peu le... Ouais, tu fais de la prémonition figurinistique, quoi. C'est ça. Ah, ce sera cool comme ça. Comment ça, c'est sorti? Il nous annonce pour son armée d'anglais que la reine Victoria aux couleurs de Palpatine arrive. Oh mon dieu. Tu me diras, c'est logique, hein. Mmh. Elle est increvable. C'est cohérent, si tu veux que je te dise. Bah ouais. Mais là, ouais, j'adore. Alors, je me demande dans la façon dont tu as traité les fantômes, est-ce que c'est pas la recette de Martin Grandbarbe qu'il avait partagé Alors ce là, côté vert qui descend au noir, tout ça. J'en saurais dire. Là, Et là, côté fantomatique qui déteint sur le carrosse. J'avoue que je l'ai, ce carrosse, et j'hésite, je sais pas trop quoi en faire, parce que c'est vrai que si tu le mets à plat avec l'attelage, ça fait un truc tout petit. Ah non, c'est faux. L'attelage classique, et là, c'est tellement dynamique, tellement classe. Oui, ça envoie. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que j'achète une machine mortise pour faire ça. Ouais. Voilà. Ah, il est quand même... Il essaye, quoi. Je m'approche lentement des chips. Ah, instant chat. Fais gaffe, on risque de voir son popotin, là. Voilà, le chat en gros plan. Bon, désolé, tu n'es plus à l'écran, Laurent. Voilà. Je me suis fait voler la vedette parmi nous, quoi. Tu veux une chips? C'est ça que tu veux? Tu veux une chips? Regarde-moi l'écran. À défaut qu'on me voit, je vais faire le ronronnement du chat qui ne le fait pas. Ah, non, vinaigre, ça lui plaît pas. Tu veux une chips teriyaki? Ah, c'est mieux ça. Ah bah, tu l'as fait tomber. Bon, reprenons. Oui, tu surveilles les chips, hein, on te voit. Ah ouais. Putain, je viens de péter ma figurine en posant mon verre. Je l'ai pété en trois morceaux. Oh. Oh, c'était ton sorcier en plus. Là. Ouais, mon sorcier. Bah tant pis. Je réparerai après. Alors, mais vraiment cool ça. Mais là, on est plus dans de la conversion que du proxy. Ouais. Surtout que c'est réalisation d'une ancienne figurine. Une ancienne figurine existante. Qui n'est plus... qui a vachement changé d'état d'esprit en termes de règles. Ça. Et ouais. On est sur quelque chose qui correspond vachement au nouveau design en plus. Donc, ouais. Mais là, c'est de la modernisation, j'ai envie de dire, d'une ancienne figurine. Actualisation d'un ancien concept. Ouais. Là, il a des figurines, c'est des Banshees de chez Gribo, qu'il utilise pour faire ses tombes Banshees, qu'il trouve plus belles que celles de Games Workshop. Mm-hmm. Et je suis d'accord, elles sont vraiment magnifiques, ces deux figurines-là, pour faire des... Mais il fait quoi? Et le chat? Il est en train de boire l'eau de ta peinture, là. Ah, je sais. Je sais pas si vous voulez que je le dégage. Bon, j'ai juste mis un peu de... Attends, il a vraiment soif. On va faire ça. Ouais. Ben, fou, c'est pas comme s'ils avaient un bol rempli d'eau à côté. Ah, les chats. Viens là. Viens boire dans ce verre, si tu en as envie.
Voilà, mais ça, c'est vrai que ce sont de belles trouvailles. Bah là, on est dans du pur proxy, hein, ouais. C'est-à-dire utiliser une figurine d'une autre gamme pour représenter une figurine pour représenter un profil. Mmh. Quoi. Mais c'est vrai que, en plus, typiquement, les Banshees, ça fait partie de ces trucs qui font partie du folklore. Ah oui, là, c'est... C'est pas une marque déposée, c'est... Clairement pas. Tu peux pas empêcher quelqu'un de faire une Banshee. Oui. Donc, plusieurs marques peuvent en proposer, et donc on peut trouver un peu ce qu'on veut. Ce qui convient, ce qui convient où on veut, quoi. C'est comme les dragons, ce sont pas une marque déposée, les dragons. Voilà. Bon, les dragons, je pense qu'on peut faire une vidéo entière sur exactement. Les dragons, quelle marque et tout. Tiens donc. Alors ça, c'est une conversion proxy, une proxy version de Minus, encore une fois. On était parti sur un délire Immortan Joe avec lui, donc moi j'avais fait mon motard à Eben, d'accord. Et lui avait pondu cette figurine en mode gros robot immortel. Mmh. Et pareil, en termes de projection dans le futur, tu vois, s'il a fait ce robot pour jouer Patriote, donc sa figurine de Patriote, et en fait il enlevait la tête, c'est juste un robot Patriote, il enlevait la tête de Patriote, il lui a mis le torse et la tête en fait, pour faire un mec encastré à l'intérieur, tu vois, pour qu'il continue à vivre. Et depuis qu'il a fait cette conversion, la faction des immortels est sortie, où sont des mecs qui s'augmentent bioniquement pour continuer à vivre, pour atteindre l'immortalité. Et l'un d'eux est un mec énorme sur qui il y a juste le torse humain qui est greffé. Et du coup, il le joue plutôt que jouer la figurine officielle parce qu'il a déjà la figurine en fait. Voilà. En plus d'être immortel, ils font mal à la prémonition. C'est ça. Alors Thomas, c'est pas McLean, hein, la marque qui fait des dragons, c'est McFarlane. McFarlane, oui. Voilà, une autre figurine de Minus, encore, où il a changé la tête pour mettre une tête d'aberration, de Dirce. Et il a rajouté des fioles dans le dos, hein, façon alchimiste. Il reste dans cette optique un peu alchimiste. Voilà. Ça donne un superbe sourire. Bien carnassier. Donc voilà, c'est les figurines Némésis. Et ça, c'est les grotesques. Donc. Qui jouent comme grotesques, exactement. Donc avec des armes de corps à corps, voilà, tout simplement. C'est vrai que de toute façon, t'as aucun doute sur ce que ça représente en termes de gabarit. Ouais, c'est ça, de... ça marche super bien. Et puis ça a quand même plus de gueule. Ouais. Sauf si j'en ai quelques-uns, faudra que je m'en occupe. Ça, c'est à moi. Alors, ouais, voilà. Justement. On parlait de quand Games Workshop change trop ses règles pour que des figurines qui existaient et qui étaient officielles deviennent injouables, ou des figurines qui n'ont jamais existé apparaissent, en fait. Voilà. Là, on est sur une unité d'incubes. Donc, ce sont les anciens incubes qui avaient ces espèces de bâtons... De vouges. Vouges, ouais, voilà. Vouges, c'est très bien. Dans les règles, désormais, c'est un... Clévex, qu'ils appellent ça. Donc c'est une épée à deux mains avec une poignée pour la tenir au milieu. Enfin voilà. Donc déjà t'es là, mon truc correspond pas. Les anciennes figurines correspondent pas au nouveau profil. Bon, mais passons. C'est une arme à deux mains quand même, le Clévex. Oui, donc ça passe quoi. Ils ont pas d'autres équipements. Enfin le Clève. Et justement le Clévex, c'est le champion d'unité. Ouais. Tu n'as pas de figurine de champion dans l'ancienne bande, donc comment définir comme ça ton champion? Et ben en fait, là, mon champion, c'est un des gardes du corps de Asdrubal Vect qui était sur la barge. Ouais. Alors, c'est la seule figurine que j'ai réussi à trouver du kit. J'ai pas réussi à trouver les autres. Et du coup, pareil, encore une fois, j'ai une figurine qui est chouette, que j'ai envie de peindre et de jouer. À quoi elle peut correspondre? En fait, c'est une armure d'un cube, mais avec un manteau par-dessus. Ouais. Donc, ça colle parfaitement pour faire un champion à cube. Ouais, quoi. Voilà. Il a la tête, il a l'arme, mais il a la prestance de par la cape. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est tout simple. Donc réutilisation d'une figurine qui n'existe plus dans la gamme actuellement, qui n'existe plus en termes de profil, mais qui correspond à un profil qui n'existait pas à l'époque. Voilà. Et ben ça, ce sont mes Vrax. Alors on retrouve... Hein, jambes, bras et torse des confrontations comme Hugo, sauf que moi j'ai mis des têtes. Moi j'ai voulu avoir des têtes masquées. Ça sont les anciennes Vrax En métal, ce que j'ai fait, c'est que j'en avais en fait j'avais les il y a trois modèles différents que j'avais en deux exemplaires chacune.
Et non, en 3. Ouais. Là, elle est l'autre. Là. En 3 exemplaires chacune. T'as interchangé certains éléments pour les différencier. Non, c'est ça. J'avais, ouais, j'en avais 6. Donc j'avais 3 modèles en 2 exemplaires chacune. Et du coup, à chaque fois, j'ai gardé une telle quelle, un peu en mode collection. C'est comme ça. Comme ça qu'elle existait à l'époque. Voilà. Et les autres, tu les as convertis pour les différencier. Et convertis, voilà, avec bah là, notamment ses têtes et bras de... Ouais, ouais. On connaît bien les jambes. Même base de jambes, mais le reste a été... Voilà. Et là, donc, j'ai complété avec bah, justement des Dirs, canon Eldar, tout, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un vieux tourmenteur que j'utilise en tant que champion d'unité. D'accord. Pour mes Vrax, en fait, je l'imagine très bien en tant que... comment dire en tant qu'assistant du tourmenteur qui a créé cette bande de Vrax. Et donc c'est mon chef d'unité. Voilà. La peinture aussi fait que tu la repères de suite. Ok. Merci. Donc voilà. Et j'ai donc là j'ai pas pris en photo, j'ai une autre unité de Vrax que j'avais fait. Parce que celle-là elle est assez récente. Mmh. Alors que l'autre unité que j'avais fait précédemment. Était tout à base de justement de figurines de ghouls Warhammer V5 et de figurines de confrontation aussi en métal. Voilà. Ah, bah je crois qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Not yet. Pas fait le tour, mais il faut que je fasse un petit bricolage. Il faut que tu prennes la parole pendant ce temps. Oh oh. En fait, faut que je récupère un fichier qui est arrivé un peu tard. On peut t'emprunter ça alors. Vas-y. Hop. On a une conversion à vous montrer de la part de. Bon, en fait, c'est bon, je suis allé assez vite. Ah bon, ouais. Prendre la parole. Voilà, c'est une conversion de la part de notre ami Siega qui s'est fait un. Comment ça s'appelle ? J'ai déjà oublié le nom. Oh, ça doit être un Blight machin, Nurgle. Blight Lord of Decay, un truc comme ça, je sais plus. Tu rajoutes tout ce qui est plus purulent, Nurgle, enfin voilà. Donc, en fait, qui est un seigneur de Nurgle sur monture démoniaque. Donc normalement, qui est un... En fait, c'était une figurine en métal à l'époque, qui était très classe. J'ai toujours rêvé de l'acheter, je l'ai jamais fait, je regrette. Qui est un seigneur de Nurgle sur un cheval famélique... le design était très cool. Ah, et désormais, la figurine est en failcast. Donc il a décidé de se faire sa propre version sur base des Maggotkin sur mouche, là. Mais en faisant une version pédestre, du coup, de cette mouche, là, avec cette espèce de gueule de piaf. Ouais, de cocatrice, là, un truc dans le genre. Là. Bien dégueulasse. J'attends surtout la réalisation de la peinture. Je pense qu'il va nous rendre le truc bien dégueulasse comme il faut. Le connaissant. Moi, ce sera une conversion sommaire. Mais je ferai bien une conversion pour mon chef. Mais là, ouais, non, c'est très impressionnant et très très chouette comme conversion. Et là, bah, on retrouve l'équipement de la figurine et le but étant de représenter au mieux ce qu'elle est sur le champ de bataille, quoi. Ah, ça va être bien, ça. Voilà. Et je voulais juste, pendant qu'on préparait cette émission, je suis tombé sur le travail de Tommy Cheung. Je ne sais pas si je le dis bien. Et je vous parlais souvent des taux qui étaient montés dans un autre sens. Et là, le mec, il a fait une armée entière de taux sur le principe du Megazord. Alors, là, on est dans le, comment on appelle ça, le Super Sentai, là. En fait, il l'a fait dans le thème Super Sentai. Ah oui, complètement. Oh, mais c'est excellent. C'est excellent. Donc, t'as le Tyrannosaur, le Diplodocus, et toutes ont exactement l'équipement correspondant à un profil de... Alors là, par contre, il a pris des figues monstrueuses, hein, parce que là, c'est la Tonar Forge World, là, le Tyrannosaur. Et il a dû servir d'autres tonards pour faire son Diplodocus. Je crois que celui-là aussi. Ouais, donc je crois que ça, c'est les kits Forge World. Sur ça, non ? Possible qu'il ait... Ouais, alors là, il y a une tête de... Là, c'est la tête, c'est un piranha. T'as
T'as des tourelles de Hammerhead. Et j'aime bien parce qu'en fait, il arrive à concevoir la pièce en la retournant dans tous les sens pour faire des trucs complètement fous, quoi. Et même les petits en bas, tu vois, qui sont sur base de Broadside. Je sais pas ce qu'il représente. Alors là, il a utilisé des hélions, certainement. Ouais, ça, c'est des surfs de hélions, mais qu'est-ce que ça représente en fait en termes de des drones, probablement. Tu crois. Merde, c'est... On reconnaît les réacteurs. Sans déconner. Et ça, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. Et je suis tombé là-dessus pendant que je préparais l'émission. Et je me suis dit, mais waouh. Ouais, wow. En plus, voilà, le Triceratops avec l'énorme. Il a poussé le délire à fond, quoi. Voilà. En fait, c'est ça, je suis tombé sur. En fait, il montrait sa dernière création qui était sa Storm Surge. Triceratops, c'est en fait quand les gens. C'est infiniment plus de gueule que l'original, j'ai envie de dire. Bah, c'est ça. Hein, c'est ça. Et même ça, il est excellent. C'est une base. Et il s'est effectivement. Oh punaise, mais il a pris. Je reconnais les pattes des X-Men9 Forge World. Hein. Ouais, bah c'est non, non, mais c'est un mélange de tout. Ouais. Hein. Mais je sais pas s'il se fait des moules pour se faire des pièces spécifiques, parce que là, vu les pièces vampirisées, tu te dis merde, il faut qu'il se fasse des doublons, c'est pas possible. Générique de saison Thomas en tête. Qui est en train de craquer là. Mais voilà, comme quoi, enfin, on parlait il y a pas longtemps justement des taux. Hein, on avait discuté de se faire une armée en tirant au hasard, ou alors les gens nous imposent une armée. Ouais. Et je m'étais dit le pire qui puisse m'arriver, enfin, voilà. Je mettrais juste un veto sur du Space Marine. Voilà. Enfin, tout Space Marine confondu, je mettrais un veto. Mais le taux, tu as un défi. Mais si je tombais sur du taux, je serais emmerdé. Ouais. Mais en même temps, ça m'obligera à me sortir les doigts parce que je n'aime vraiment pas cette armée, je n'aime aucune figurine de l'armée, donc je serai obligé de... Et quand je vois ça, je me dis, mais ouais, je vais faire du taux. Oh non, mais là, c'est du délire, le truc. Mm. Ouais, complètement fou. Voilà. Il aurait pu faire le Smilodon quand même. Bah alors Thomas dit qu'il y a un Smilodon, donc je sais pas. Ah bon, il est où son Smilodon là, parce que Bah il dit Tyrannosaur, Triceratops, Smilodon, donc je suppose qu'il y a un Smilodon dans le lot. Mais... Ouais, je pense qu'ils sont plutôt sur le... PG, il est pas très fan de poissons. Non, c'est... Mais du coup, quelques petites choses à vous montrer mammouth, aussi, hein. Aussi en direct, il n'y avait pas le mammouth. Pas le mammouth. Ça se trouve, c'est qu'une question de temps. Peut-être se les faire. Ouais, je pense que le mec il va continuer son délire. Il est pas prêt. Ouais. Il a aucune raison de s'arrêter. Surtout que comme dit, comme ils font remarquer dans le chat, la question de la conversion et du proxy dans cette armée n'est pas une question d'économie. Ah non, là clairement pas. Là, c'est pas des conversions pour économiser des sous. Hein. Là, c'est une conversion pour. Ça dépend. Là, dans le cas présent, effectivement, bah, c'est pas pour économiser celle-là. Ça, c'est clair. Alors, à tous les joueurs d'Archangel, le Deathwing, vous pouvez le dire droit. Vous avez le droit de quitter le live. Vous avez maintenant. Le droit de pleurer. Parce voilà. que vu le niveau de charcutage, il ne m'aurait pas dit la source, j'aurais pas été capable de reconnaître voilà, la on disait tout à l'heure, hein, le chef Deathwing qui est dans la boîte Dark Vengeance, j'ai décidé de ne pas le vendre et d'en faire un seigneur de Nurgle. Voilà. Donc là, voilà. Vous doutiez les d'Archangel, voilà, ceux qui. Leur vrai visage. Putain, c'est vachement sombre quand même. Qu'est-ce qui se passe? T'as moyen d'éclaircir ça? Ouais, je vais essayer de. Après, la source voilà. n'est pas si. Ouais. Ah, c'est déjà mieux. Donc voilà, donc petit seigneur de Nurgle sur base du chef Ravenwing. Deathwing. Donc il y a donc le bras tenait une épée, donc j'ai foutu c'est le branche de la bannière des porte-pestes. J'ai pris deux épées de porte-pestes pour faire la double faux, la lame en double faux. J'ai mis un ventre de porte-pestes, là j'ai creusé la figurine pour encastrer le ventre. J'ai rajouté le sein bien dégueulasse en green stuff. Bon, je suis pas très fort en green stuff, donc voilà. Là, j'ai rajouté un bras qui pointe, contrairement au téton. Oh. C'est une main d'un
d'un Space Marine de Dévastator, je crois. D'un Dévastator. Et puis une tête de porte-peste avec des grandes cornes. Puis j'ai rajouté une espèce de ruche. C'était ma figurine pour interpréter Typhus, ouais. Donc il a la ruche là dans le dos, la ruche bien dégueulasse. Des gros bubons sur les épaules et tout. Donc ça date quand même d'il y a quelques années, cette figurine. Très réussi, hein. Voilà. Bah quoi, c'est pas un Dark Angel lambda. C'est un Plague Angel. Un Plague Angel, c'est ça. T'as réussi à faire quelque chose de cette figurine ridicule. Je comprends pas, je vois toujours un Dark Angel, là, c'est pas un proxy. Bon, ça va, vous le prenez bien. Alors, dans la même idée, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans déjà, en fait, je suis en train de me dire, je m'étais fait de la Death Guard. En fait, j'aimais pas du tout le kit de Plague Marine, et je m'étais fait des Space Marines sur base de zombies. Comme ça, voilà. Et donc, tous mes Plague Marines, c'était comme ça. Et si j'avais des Marines qui étaient en armure entière ou quoi, c'est que c'est juste du Marines de base. Voilà, donc ça, de la conversion. J'aime beaucoup le fait qu'il soit extrêmement rachitique avec les épaulettes qui se touchent sur le dos. Qui se touchent sur le dos. et ben toujours sur cette armée de Nurgle, voilà, mon prince démon. Voilà, il va falloir recadrer. Voilà. Hop. Alors, il faut refaire mise au point du coup. Donc là, gros prince démon, parce que je trouvais à l'époque, il y avait le prince démon KO Space Marine qui était sorti. Mais du coup, qui était trop rachitique, en fait. Trop typé aussi, pas assez... Enfin, pour du Nurgle, ça... Ça passait pas pour du Nurgle, quoi. Et la version Nurgle était pas sortie à l'époque. Ouais. Et donc, je me suis fait ça sur base d'un géant en métal de Warhammer. Mmh. Donc, on reconnaît bien le pantalon et tout. Donc, j'aimais bien, parce qu'il était gros, il était mastoc. Putain, j'avais pas vu l'œil globuleux, là. Et, ouais, le petit œil. Ça, c'était un peu le truc sur toute mon armée de Nurgle, je rajoutais des yeux, comme ça. Souvent, je prenais... Donc, c'est une bille de pistolet. De pistolet à bille. Ah, oui. Et souvent, je les ai collés au bout de queue de Skaven, pour faire un tentacule avec un œil au bout. Excellent. Et là, on a... Il y a les bras et les tentacules de l'enfant du chaos métal, à l'époque. La tête de l'enfant du chaos. Ouais. La hache du truc, je l'ai transformé en gros hachoir de boucher avec un petit bout de chair avec la marque de Nurgle. J'ai rajouté un petit bras de Skaven là, qui dépasse sur son gros bras. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, bon, divers chaînes. Les ailes de rat de rapace, je sais plus. Mort-vivant. Les ailes de rapace de Khemri, ouais. De Khemri, ouais. Donc voilà. Parce qu'il fallait qu'il vole. Bah, il fallait qu'il vole, oui. Un prince démon, ça vole. Voilà, donc j'étais. Petit bras atrophié avec le hachoir, ouais. J'aimais bien le rappel du gros bras avec le hachoir, le petit bras avec le hachoir qui rappelle la position et tout. Ouais, non, j'ai bien rigolé. Donc voilà, je me suis marié à faire cette conversion. Bon, Nurgle se prête bien en conversion aussi. Ouais. Après, c'est le vieux géant, ça, ouais, exactement. Celui que PG n'avait pas reconnu tout à l'heure. Oui, je l'ai reconnu après quand on me l'a dit, mais comme je lisais pas la tête. Il est tellement la conversion est tellement voûtée que j'ai du mal à croire que c'est le géant. Je me rappelle de lui, mon Vinicaire a fait du kitting avec lui pendant toute première partie. Je t'emmerde, Thomas. Oula, oui, il m'a bien fait chier, ton Vindicare, notre toute première partie. Quand je te connaissais pas encore. Pas vraiment. Petite conversion aussi de mon armée Elfe Noir. Voilà, on va recadrer. Et donc, ça, tout simplement, c'est que à l'époque, les Cavaliers Noirs étaient une troupe de base dans l'armée qui n'existait pas en kit plastique et qui valait 10 euros l'unité. Le cavalier. Le cavalier, oui. Tu vois. Et du coup, t'es là, tu fais, c'est l'unité de base, il m'en faut 10 voire 20 dans l'armée, ils sont à 10 euros pièce. Donc là, c'est une petite conversion de draw, de Donjons et Dragons. Hein, les... merde, comment ils s'appellent Drider, voilà. Les Drider, donc, qui sont des draw mi-elfes, mi-araignées. Voilà, je me suis basé sur ça pour faire ces conversions. Donc, des araignées
récupéré à vraiment pas cher, parce que c'était dans la boîte Col du Crâne, je crois, ouais. Boîte de base de Warhammer V7. Et après, bah, un peu de milliput, torse et arbalète et lance, quoi, des trucs en plastique. Donc il y a du corsaire, du lancier, voilà. Reste de boîte à bits pour faire ça. Et donc j'ai pu m'en faire plein. Des draws trop cool. Eh ben dis donc. Donc voilà. Et bah, toujours pour cette armée elfe noire. Hop là, peut-être une de mes plus grosses conversions là, ouais. De l'époque. Tu le reconnais, Thomas? Voilà ce que j'allais dire. Thomas doit reconnaître la figurine d'origine. Là, moi, je l'ai reconnue. Attends, je vais faire la mise au point. Voilà, donc, et ben parce que en V8, c'était vachement bien d'avoir un seigneur elfe noir sur Pégase, et il n'existait pas de figurine officielle. De Pégase noir, ouais. Et comme Archaon fait partie des... Je crois que c'est quand même une des premières figurines où j'ai craqué pour la beauté de la figue, et pas parce que je comptais la jouer ou quoi, parce que vraiment j'avais pas de KO de toute façon à l'époque. J'ai craqué, je me suis acheté, puis des années plus tard, je me suis dit, ah, oh, il me faudrait une base et tout, puis je vois ce Archaon qui était toujours pas monté. Puis, et donc, c'est des ailes de Prince Démon V5 que j'adore. L'aile avec les os comme ça, le long, c'est vraiment magnifique. Et du coup, ça fait un elfe un peu mastoc, comme ça, avec la tête de Coryl, qui était un personnage lion blanc au elfe. Ah oui, de chez Lion Blanc Chrass. Ouais. Et la hallebarde vient d'une figurine confrontation. J'ai rajouté des petites queues de loup Space Wolf pour donner un peu plus de dynamisme à la pièce. Et le bouclier, c'est un bouclier que j'ai assemblé à partir de plusieurs boucliers elfes noirs. Voilà. Et j'ai mis de la pâte sur la green stuff là, sur le flanc de Dorgar pour effacer l'étoile du chaos et à la place lui mettre une rune, rune elfe noire. C'est classe. Il pourrait carrément être dans une armée d'Author of Kane. Ah ouais, pourquoi pas. Archaon, il a changé. Voilà. Ouais. Et ce mec m'a suivi. C'était mon général pendant quasiment toute la V8 de Warhammer. Mais quel Warhammer. Fashion donc, victim ce Archaon. Maintenant, il a un look emo, quoi. Mais ouais, je l'ai joué pendant... Je l'adolescence. Je l'ai joué pendant... un paquet d'années. Hein, ça a été toute... C'était mon général pendant toute la V8. Hein. V8, je crois que c'est arrivé en 2008 ou 2009, donc ouais, 5-6 ans, ça a été mon général, celui-là. Voilà. Très chouette. Hein. Et pour finir, on va faire un petit truc sur une des communautés les plus intransigeantes sur les conversions qui m'a été donnée de rencontrer. J'ai nommé War Machine. Donc ça, c'était un ghast revenante, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est genre un esprit fantomatique qui peut prendre possession d'une unité quand elle meurt, ou te permettre de sauvegarder un de tes monstres quand il se fait défoncer et tout machin. Donc c'est quand même décrit comme un feralgeist, voilà. C'est quand même décrit comme genre un esprit fantomatique. Voilà. Donc moi, je suis parti des... C'est issu de la figurine C'est issu de la figurine, hein, c'est comme ça, c'est la figurine de... comment s'appelle C'est les Spirit Host. Ouais. Et en fait, c'est des figurines qui sont par trois. Ouais. T'as trois spirits sur un socle. Ouais. Donc là, il a fallu que je le bricole un peu pour qu'il n'y en ait qu'un, finalement. Mais t'as toujours la base, en fait. Ce qui tient la figurine au socle, c'est soit un squelette, soit un crâne, soit une tombe, un truc comme ça. Là, j'ai pris celui avec le squelette. Je trouvais ça sympa, le squelette qui se soulève quand l'esprit sort. Ouais. Et ça représentait bien, du coup, le truc. Mmh. On m'a fait chier en tournoi, hein, parce que... non, c'est pas la figurine officielle. Si tu fais des conversions, il faut que le nom de la figurine soit écrit sur le socle. Ah bon. D'accord. Donc on m'a fait chier avec ça. Alors, je m'en fous, j'en avais d'autres. J'avais... alors là, c'est vraiment du proxy pour le coup, tu vois. Il n'y a pas de conversion. J'ai joué une démonette dans l'armée Everblight. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une unité qui s'appelle le Forsaken. Ouais.
qui est décrit comme un elfe muté par le sang du dragon, qui va donc voir des griffes lui pousser. Et une chitine se développer comme ça sur son corps et tout. Ok, voilà. Donc, ouais, c'est... donc pour l'instant, on est dans le thème. Mm-hmm. Et il faut savoir que la figurine a deux armes de corps à corps. Ouais. Avec une portée de corps à corps de 1. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça. Mm-hmm. Disons, la dague, la griffe, tu vois, ça passe bien. Mais... la figurine officielle, elle a donc deux armes. Sur le profil, c'est deux armes de corps à corps et tout. Et la figurine, en fait, a un bras avec une griffe, un peu dans ce style-là, et un bras avec une aile. Mm-hmm. Genre aile de chauve-souris qui est repliée devant elle, comme ça, genre Nosferatu, tu vois, qui se cache. Mm-hmm. Et on m'a dit, cette conversion n'est pas valable. Mais elle est plus WYSIWYG que la figurine officielle. Oui, mais on s'en fout, elle n'est pas valable. Non, mais c'est plus WYSIWYG que la figurine officielle, quand même. Tu vois ? Donc le problème quand tu veux c'était le tournoi War Machine, c'était quoi, c'était sponsorisé ou machin ou... Non même pas. Non c'est la communauté, c'était avant même d'aller à un tournoi qu'on m'a fait chier avec ça. De la notion c'était de la communauté la plus sur internet, pour ne pas dire chiante. Le mot est lâché. Oui, parce qu'à ce stade-là, c'est on est au-delà de la psychorigidité là. Ouais. Et dernière chose, j'ai un copain qui a acheté une figurine War Machine de la faction que je joue, mais pour faire une conversion, donc il y avait une figurine dont il se servait pas, qui m'a donné. Alors, pour vous faire une petite explication, ça, c'est la Shepherd, c'est une bergère. Tu peux en jouer deux dans ton armée, et tu veux en jouer deux parce que c'est super intéressant. Sauf qu'il y a qu'un seul modèle. Ah. Voilà. Et du coup, moi, j'avais pu récupérer la sorcière qui va en haut de la figurine qu'il a récupérée. Ouais. Et que j'ai converti pour faire une Shepherd. Donc, je lui ai rajouté la capuche. J'ai transformé son bâton pour avoir le crochet. La figurine berger. En elle-même, elle est aussi de la gamme Elle est de la même gamme. Ouais. Et voilà. Mais du coup, elle a un bâton qui se termine par une boule avec une lame en hauteur, enfin très grand. Et surtout, elle a des cheveux hérissés vers le haut avec une couronne. Ouais. Donc là, j'ai tout limé pour lui faire la capuche. Voilà. Et je trouvais que elle avait la cape, elle avait, enfin, en termes de visuel et tout machin, et on m'a fait chier, sachant que cette figurine, elle se trouve uniquement au sommet d'une énorme bouche avec des tentacules qui est sur un socle de 120 mm. Tu vois, c'est une figurine à 80 balles qui fait 12 cm de haut. Donc avant de dire le petit truc sur un socle de 30, normalement elle est en haut d'une grosse bête, donc qu'est-ce que c'est le profil? Enfin voilà, et pareil, on m'a dit non, ça passe pas. Ça passe pas. Mais à ce stade-là, ils autorisent pas les conversions, alors faut arrêter. Si le nom était mis sur le socle. Ouais, donc c'était leur condition sine qua non, c'est de mettre les noms sur les socles, quoi. Et donc voilà. C'est là qu'on se rend compte que là, on est clairement dans une communauté purement de joueurs. Parce que pour eux, l'important, c'est que tu puisses identifier la figurine sans même avoir posé de questions ou même interagir avec ton adversaire. C'est ça. Niveau interaction sociale, je trouve ça quand même assez triste. Ce qui était fou, c'était que l'argument principal qui était apporté pour dire non, faut pas faire de conversion, c'était que oui, mais on est sur un jeu en temps limité qui est assez complexe. S'il faut se rappeler tout le temps qui est qui, machin. Alors, on parle de trois figurines sur une armée, Tu vois. Et puis surtout, c'est pas comme si c'était des. Surtout là, dans ce cas-là. Les sorcières, ça crève les yeux. Et puis et tu mélanges pas. Ça peut pas être autre chose. Et tu mélanges pas différentes factions entre elles. Tu joues une faction. Oui. T'as pas de notion d'alliance. Ça peut pas être autre chose, tu vois. T'as quand même. T'as une elfe avec une cape et une capuche qui tient un bâton qui finit par un crochet comme les bergers. Qu'est-ce que ça peut être alors? Est-ce que ça peut être une sorcière? Non, il y a pas de sorcière dans la liste. Enfin, il y en a pas. Tu as les sorcières. Soit c'est des personnages nommés, donc elles sont en un seul exemplaire et t'as la figurine, soit elles sont sur des montures en fait. Donc une sorcière toute seule sur un socle de 30, non, ça peut pas être ça. Donc si c'est pas une sorcière, qu'est-ce que ça peut être? Le seul truc possible, c'est la bergère, tu vois. Donc c'est que des trucs comme ça, c'était un peu débile. Alors comme on dit, la communauté Warma chiante, fort heureusement la communauté Warma morte. Proxy est mieux que la figurine officielle et on te fait chier, oui. On joue là, c'est sérieux. Interaction sociale sur Warma, on joue là, c'est sérieux, ça se limite à combien de temps avant de te faire crever?
Pétard retournait jouer à des simulateurs sur ordinateur. Tu voulais pas interagir, demander à votre adversaire ce que c'est. C'est un warjack, je suis sûr. dans une armée Everblight, oui, forcément. Un joueur avait une magnifique armée Ouroboros à partir de conversions d'elfes sylvains, furies et autres. C'était le plus beau. C'était plus beau que les figures originales et bien lisibles, et pourtant sur le forum ça râlait. Oui, je me souviens, c'était un des joueurs de la guerre au garage qui a fait une armée magnifique. Et t'es là, les mecs ils râlent. Ils font bah non, c'est pas jouable, je refuse de jouer contre cette armée. Et t'es là, tu mets. J'ai jamais vu une armée War Machine aussi belle que celle-là. C'est. Franchement, le mec qui a fait cette armée Ouroboros, je me souviens plus de son nom. C'était un des gars de la guerre au garage. C'était mais sublime. Tout était beau dans l'armée. Tout était magnifique. Je vais faire un peu le troll, mais ouais. À ce stade-là, c'est. Qu'est-ce que vous foutez dans le monde de la figurine, les gars? Là, je lâche le mot. Hein. C'est le principe, se faire plaisir avec mes armées. Si pour vous, en fait, c'est un problème, je sais pas. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est. J'ai pas été confronté, mais. Wow. L'excuse qui était systématiquement invoquée, c'était que. Ça fait perdre trop de temps de se poser la question. Si on oublie, on peut perdre la partie sur un oubli parce que c'était pas la figurine, machin. On peut confondre et du coup perdre sur ça et tout. Et t'es là, tu fais, mais. En fait. Un jeu de plateau, tu joues. Échecs, mais non, mais ça, tu joues à un jeu qui est difficile, exigeant. Qui demande de grandes qualités de tactique et de stratégie. C'est vrai, on n'est pas sur Warhammer, quoi. On est sur un jeu qui est complexe, qui demande beaucoup de tactique et pas seulement du piou-piou, je te tire dessus, quoi, tu vois. T'es pas capable de te rappeler deux secondes de ce que c'est. T'es trop con pour comprendre. Con au sens bête, au sens manque d'intelligence, pour comprendre que ça, c'est ce qu'on t'a dit au début de la partie. Et tu veux jouer un jeu aussi difficile que War Machine ? Oui. Non, mais c'est l'excuse pour dire les joueurs de War Machine sont débiles, sont lents. Voilà. Moi, quand on me sort cette excuse, je dis mais je joue pas à War Machine. C'est comme si on me demandait mais on va pas me demander de faire une addition dans un jeu où on te demande de faire des multiplications. Si t'es pas capable de faire la base, comment tu vas aller plus loin ? C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est une technique pour éliminer des adversaires. C'était l'instant coup de gueule. Ouais. C'est une technique pour éliminer des adversaires, en fait. Les faire disqualifier, c'est plus simple que les affronter. Ça te laisse pas de vidéo. Non, c'est Benjamin. Ah, Benjamin. Ah, il en voit bien, Benjamin. Ça marche bien. Thomas qui nous raconte sa première interaction avec un joueur War Machine qui est venu avec des figurines tabletop pures, trois couleurs appliquées au pif, socle avec taches de peinture immonde. Je lui ai demandé si ces figurines étaient en cours de peinture. Il a juste dit non. Aucun argument, aucune interaction. Il se contentait de réciter les points de règle. Alors, Benjamin, non, War Machine, c'est pas du tout de l'escarmouche avec 10 figues. Il y a beaucoup de figurines sur la table. T'as les unités font 10 figurines, et tu vas avoir entre 2 et 5 unités, plus quelques warjacks, quoi. Donc non, c'est pas du tout de l'escarmouche à 10 figurines. Non. C'est de l'escarmouche dans le sens où tes unités sont peu nombreuses, hein, comme je dis, c'est 10 figurines en moyenne, et tu vas avoir peu d'unités sur la table comparé à un Warhammer ou tout comme ça. Tu vois. Extrêmement dépendant des héros pour les interactions. Des héros, des rôles secondaires, mais. C'est le jeu qui mettait plus en avant la notion de bulle avec qui agissait en synergie avec le personnage, avec les unités étaient puissantes en présence de personnages. Mais du coup, ouais, ce genre de réflexion, moi, ça me tue, parce qu'en fait, c'est une réflexion où quand toi, tu dis non, je refuse d'avoir des conversions sur la partie parce que. Insérer ici argumentaire foireux, je suis trop bête pour jouer à mon jeu correctement. C'est. Enfin. Et ça, je l'ai entendu sur d'autres jeux récemment, et ça me fait de la peine, en fait. Les gens ne se rendent pas compte qu'en ayant ce genre d'argumentaire, ils admettent qu'ils sont trop limités. Je dis pas bête, je dis limités. Pour jouer efficacement, quoi. D'un point de vue, bête, c'est un mot, c'est pas une insulte. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à l'assimiler à une insulte. Mais. Oui, limité pour rester. C'est le langage soutenu pour dire bête, quoi. Mais ça veut dire la même chose.
J'ai préparé une table classe et tout. Il a tout viré pour mettre des décors et un tapis de souris tout plat. Oui, c'est exactement ça, War Machine. On joue à plat. Bon, War Machine, j'ai arrêté, il y a des raisons. Quoi, il y a des fans de War Machine. Je pense que je n'ai pas si mal que ça, mais bon, c'est vrai que... Je n'ai pas si mal, mais... Je sais pas, je l'ai juste vu. Hein. En fait... Je connais le concept. C'est mais... Typiquement, c'est plus tu vas loin dans le jeu, plus tu montes, en fait, dans la méta du jeu, moins c'est un jeu de figurines et plus c'est un jeu de pions. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un moment où... L'intérêt n'est plus là, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend ce que tu cherches. Enfin, pour le coup, c'est un jeu où je pense que utiliser des socles avec les profils des figurines et du coup, le nom marqué directement dessus, c'est beaucoup plus simple que de jouer. En plus, comme il y a une ligne de vue à 180, si tu mets un profil en carton, t'as déjà la ligne de vue à 180 qui est tracée. Joueur de War Machine, je pense qu'il y a de l'avenir, vous faites pas chier à peindre vos figurines. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ouais, mais... Et pour la blague, hein, comme... Je suis allé à un gros tournoi où, en gros, on m'a dit tes figurines, on les accepte pas s'il y a... Enfin, tes conversions ne sont pas acceptées s'il n'y a pas le nom sur les socles. Tu vois, enfin, c'était le truc. C'est pour les conversions, afin qu'il n'y ait pas de doute, mettez le nom sur les socles. Mmh. Moi, je contacte le truc, je dis, écoute, je vais pas peindre le nom de mes figurines sur mes socles, parce que je trouve ça moche juste pour ton tournoi. Donc, je t'envoie les photos et tu me dis si ça passe ou pas, s'il faut que je retouche tes conversions. Mmh. Le mec, il me répond, mais je regarderai même pas les photos, c'est non. Tu vois, donc... Après, tu mettras le nom sur les socles. Si l'orga ne fait que suivre la mouvance de la communauté. Oui, enfin, oui. Mais ça, du coup, si la communauté pense comme ça, ça peut difficilement reprocher à l'orga. Le jour du tournoi, en discutant sur le forum, j'ai un peu trollé en disant, je n'écrirai pas le nom des figurines sur le bord de socle parce que je trouve ça moche. Et du coup, on me répondait, ouais, mais tes figurines sont retirées de la table et tout, machin. Mais je répondais, je suivrai le règlement au pied de la lettre. C'est ça, qu'il en soit ainsi. Je suivrai le règlement au pied de la lettre. Je suis arrivé le jour J, j'ai pris du papier millimétré, j'ai découpé des toutes petites lignes sur lesquelles j'ai écrit le nom en tout petit. Et comme mes figurines étaient aimantées, j'ai pris des tout petits néodymes et j'ai aimanté les petits bouts de papier qui se recourbaient tellement ils étaient petits sur les socles. Le nom de chacune de mes conversions était sur son socle. J'ai pris au pied de la lettre. Croyez-moi, aucun de mes adversaires est venu lire le nom sur le socle, hein, parce qu'ils ont repéré tout de suite qui était quoi, et j'ai eu aucun problème. Grosse blague, premier adversaire contre qui je tombe, il joue des mercenaires, qui sont tous des conversions, mais alors là, j'étais deg, parce que le mec, il a des conversions, il a écrit le nom des trucs sur le socle, alors super mal écrit, donc la moitié était, pinceau trop gros, passé en blanc en une couche, sur un socle noir. Dans ton coiffe, dans ton coiffe, au moins. Je sais même pas, mais j'ai lâché l'affaire, quoi. Et il y a une figurine qui s'appelle Reynolds, qui est un espèce de détective privé gobelin, donc tu vois, avec l'impair, le chapeau, et il a une longue vue. D'accord. Et en fait, le mec, il te donne des bonus de tir, tu vois, il regarde une unité, ça donne des bonus à l'unité qui est à côté pour tirer dessus, quoi. Son Reynolds, c'était le Gnoblar de Warhammer, sur un tonneau, celui qui est comme ça, et qui tient une bouteille à la main, et la bouteille était peinte en doré pour faire la longue vue. Mais il avait marqué Reynolds sur son socle, donc ça passait. Les orgas, ils n'ont rien dit. Et c'était que des conversions comme ça dans son armée, quoi. Donc. Je vais mort en France, de toute façon. Enfin, voilà, bon. Du rêve. Ça vend du rêve, hein. Je crois qu'on a fait le tour un peu de toute cette question du proxy et des conversions. Je sais pas s'il y a un petit. Vous avez autre chose à ajouter au chat ou pas? Pour notre part, je pense qu'on a fait le tour. Alors, moi, je continuerai à faire des proxys et faire des conversions partout. Il y en a une qui me revient à l'esprit qui était effectivement aussi une semi-proxy, c'était les Narloc Forge World. Mm-hmm. Tu parlais des grotesques en un seul exemplaire. Ouais. Moi, j'aimais bien celui sur avec ses croûtes sur l'épaule, avec son sorte de gros arbalète lance-grenade. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai utilisé un autre, un Narloc basique, sur lequel en fait j'ai green-stuffé en fait les harnais. Mm-hmm. Et j'ai mis une baliste du Gondor dessus. Et j'avais des croûtes dessus. Et j'ai pas pensé, mais c'était la figurine de base, c'est le Narloc de base qui est juste à peau statique. Et bon, mis à part, il y a un croûte qui est debout, qui tient une sorte de harnais, mais il est un peu en décalé. Je me dis, voilà, il y a un peu un problème de physique, là, du coup, la conversion. Mais bon, sinon, ça passait.
J'avais réussi à en faire autre à cheval. Mais c'était plus pour avoir les deux exemplaires, mes deux figurines différentes, parce que c'était hors de question que je prenne deux fois la même figurine, parce qu'il y en a un qui court, la gueule grande ouverte, l'autre qui est tout pâteau comme ça. Avec sa petite gueule de perroquet, je trouvais super mignon. Enfin voilà. T'as, rapproche-toi, parce que t'es coupé par le câble. T'as changé de position. Est-ce qu'on peut faire des proxys de joueurs War Machine plus cool que les officiels? Je sais pas. Est-ce qu'on peut parler de joueurs en carton? Oh, ah bah écoute-toi avec tes petits... on est en mode troll. Ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé vos photos de proxy et de conversion. Ah, c'est vraiment cool, hein, c'est très inspirant. Ouais, vraiment. Loïc, je commence à te détester parce que j'ai envie de jouer à tous les jeux que tu nous as montrés. voilà. Moi, je suis toujours en train de chercher quand même ce que je vais faire comme armée pour l'âge de la magie, sachant qu'on commence la campagne le 7. Il va falloir que j'assemble. Ouais. J'assemble mes figurines et... Que tu réassembles ton, aussi ton ossiarque, là, qui s'est... Ouais, mais ça va prendre 2 minutes, c'est pas un problème. Mais... Vu le niveau d'interaction, ce sont des tokens, clairement. Ok. Là, je troll, mais je ne connais pas, moi. Je ne m'avance pas. Je me fie au témoignage, mais je ne dis rien. Voilà. Alors, petite pub pour nos copains de Ta gueule, on joue, qui demain sortent une vidéo dans laquelle on a été invité. Donc, je vous invite à aller voir ça. Voilà, ça sort demain dans la journée, je ne sais pas à quelle heure exactement. Une vidéo où on discute. Je vous laisse la surprise du sujet ou quoi. Donc voilà, puis il y aura aussi il y aura une autre vidéo avec eux qui est prévue, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Qu'ai-je ajouté? Non, en fait, je suis un petit peu... Perdu. Après toute cette débauche de violence, je suis... Mon esprit est troublé. C'est ça. Non, c'est pas vrai. La semaine prochaine, c'est déjà les serments. Oui. Il va falloir que je pense à prendre les photos aussi. Voilà, va falloir mettre les bouchées doubles là pour finir dans les temps. Et quoi d'autre je vais devoir stretch gauler surtout, moi. C'est obligatoire si je veux être dans les temps pour Pass to Glory. Ah oui, parce que t'avais pas annoncé tout ce qu'il non, faut bah, pour l'armée. Là, les hurleurs, bah, ils sont finis maintenant, mais ça fera partie du stretch goal. Ils sont cool. Ouais, c'est bien l'effet marbré là. Ah bah c'est du... On est sur du albinos, albinos-like. Mais c'est la texture de la figurine qui est comme ça ? La texture, en fait. Alors après, j'ai joué de la contraste pour les... J'ai joué de l'Apothecary White et du Griffcharger Grey. Mais c'est très chouette, hein. Ça fait bien dégueulasse, la queue rouge, comme ça. C'est pour rappeler un peu, là. Ouais. C'est le seul point commun que j'ai visuel sur toute l'armée. Donc il va falloir que je joue là-dessus. Là, je suis moins convaincu pour lui, par exemple, tu vois. Parce que les couleurs sont trop chatoyantes. Ouais. Mais bon, je pense que je vais quand même le rester. Honnêtement, je suis pas fan des flammeurs. À peindre, je pensais que ce serait cool. Mais non, en fait. C'est un peu un imbroglio de n'importe quoi. Et j'ai du mal. Autant les hurleurs, pas de soucis. Mais bon. Après, on verra. En tout cas, en attendant, on se retrouve sur dupainetdesjeux.fr, hein, le site, la page Facebook Dupain et des Jeux, et forcément le groupe Facebook des peintres et des joueurs. C'est là que ça se passe si vous voulez revoir toutes les figurines là, qui ont été présentées ce soir avec les explications de leur auteur. Ouais, d'ailleurs, assez exhaustive. Hein, ouais, il y avait des explications très complètes. Hein, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout passé en revue. Mais c'est une sacrée source d'inspiration, mine de rien. Tous ces proxy conversions, il y a des trucs à voir. Hein. C'est toujours bien. On découvre des choses, des fois. Mm. N'hésitez pas à continuer de compléter cet album. Moi, je vais le retirer des annonces, donc il ne va plus être en premier quand vous allez arriver sur la page, mais l'album existe toujours. Vous pouvez continuer à le nourrir, à montrer des choses. C'est toujours intéressant à voir. Voilà. Et puis quoi donc, avancez sur vos serments, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Et voilà. Il y a déjà pas mal de choses. Oui. Continue à pindouiller, hein, parce qu'il faut. Bah oui, c'est important. C'est important la pindouille. C'est important. On est là pour ça. Enfin, je crois. Et pour jouer. Ah. Mais quand on aura fini de peindre. Ah oui. C'est voilà. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. À très bientôt.